En direct? Absolument. Coucou, bonsoir à tous. Alors, j'essaye de me remettre mettre à jour. Bonsoir, messieurs, dames. Je fais un Je sais petit toujours pas sur réglage. le bon. Ouais. Voilà. On est en train de se caler. Vous allez nous dire si vous entendez bien. Ouais. Faites-nous des retours son pour qu'on Ah, soit coucou. absolument sûr qu'il y ait un bon son. Super, super. Ah ben voilà. Ok, bon ben j'espère que vous allez bien. Ah. Pardon. T'as mis le son, donc ça va, c'est que ça marche. Donc le son fonctionne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, encore une fois, voilà. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes. Vous êtes déjà 42 et on vient à peine d'allumer le chat en direct. Bah écoutez, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez beau temps. Nous, on a eu un petit peu des épisodes très pluvieux avec tornades. Ah. Là aussi, il y a du. Voilà, on est en décalage. Vous voyez, c'est en direct, hein, vous voyez. Voilà, donc épisode, je disais, on a eu des épisodes pluvieux avec des tornades qui ont fait quelques dégâts et pensez aux personnes qui ont eu des dégâts à cause de ces tornades. J'espère que vous, tout va bien pour vous et les vôtres. Donc bienvenue à nouveau. Donc déjà, les questions commencent. Donc toujours avec Jean-Paul qui va. Comme à l'accoutumée, ben, j'espère pouvoir répondre à vos questions. Alors, petite info, quand vous posez une question, s'il vous plaît, mettez en gros la lettre Q ou alors vous écrivez en gros le mot question. Comme ça, quand je fais défiler sur le chat, je vois un peu mieux si c'est une question ou juste une conversation entre vous. Parce que ça arrive, hein, que vous ayez des conversations, il n'y a aucun souci. Mais du coup, comme ça, moi, ça me permet d'avancer plus vite. Ne soyez pas offusqués. Si je prends pas de suite votre question parce que peut-être que vous ne voyez que la vôtre, mais moi, il y en a plusieurs qui se mettent voilà, les unes derrière les autres. Donc soyez patients. On est là pendant un petit moment, je pense au moins 2 h 30, 3 h. Hein. Je pense que c'est à peu près ça. Moi, ma mère, elle m'a donné l'autorisation jusqu'à Donc minuit. ça va. Donc j'ai l'autorisation jusqu'à minuit. Donc Tu m'entends, ça va pour vous. Ouais, Tu m'entends? je t'entends. Ouais. Vous entendez, est-ce que vous Ouais. entendez bien Jean-Paul, vous? Alors, à tout moment, dans le chat, dites s'il y a un problème de son, qu'on ne soit pas embêté. Hein, Oui. ouais. Si vous entendez un petit bruit gênant, si vous entendez une musique, si vous entendez voilà, des choses qui ne sont pas normales, n'hésitez pas à nous le dire. Il faut qu'on puisse remédier à cette situation et si ça vous gêne, il faut qu'on puisse voilà, vous rendre la soirée confortable. Donc c'est bon pour toi, Clem? Ouais, c'est tout bon. Donc Clément est toujours derrière la sono. Voilà. Et puis ben, c'est parti, hein, mon kiki. Hein. C'est parti, c'est bon pour toi. Alors, une grosse question. Alors, la première. Qu'avez-vous voulu dire par reconfigurer sa réalité? Alors, je ne sais pas dans quelle situation, Ah, mais. mais ça, c'est là. Je parlais de synchronisation karmique. Ah, puis, il va pas être un. Ah. Ça fait 1 heure que je te dis, est-ce qu'il Ouais, marche? il marchait. Alors. Voilà. Est-ce que là ça marche? Voilà, c'est Tu parti. m'entends? Ouais. Allez, là, c'est parti. La syntonisation karmique, ça concerne les supraconscients de très haut niveau. C'est la faculté de reconfigurer sa réalité. J'en parle dans plusieurs vidéos, donc il faut aller consulter les vidéos où j'évoque ce sujet. Mais ça ne concerne pas les humains lambda. Pour générer cette faculté, il faut impérativement aller dans le monde infrascopique, donc ça, c'est passer en dessous de 1 Hz d'activité neuroélectrique. Ça concerne vraiment les supraconscients de très haut niveau. C'est pas accessible à l'humain lambda. L'humain lambda, il peut très facilement accéder à 6 Hz, à la supraconscience. 6 Hz d'activité neuroélectrique, c'est à la portée de tous les humains de la planète. Par contre, l'enstase mystique en dessous de 1 Hz, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça, c'est des sujets que j'évoquerai quand on atteindra le noyau de l'initiation dans quelques mois. Ok. Alors, une autre question bah, de la même personne, donc de Soyeuse. Que pouvez-vous nous dire sur la pleine lune bleue du 31 octobre? Rien, absolument rien. Voilà. Pleine lune, c'est une pleine lune. Alors, je fais glisser. Alors, durant la méditation, qu'est-ce qui provoque qu'à un moment donné, on ressent une joie intense au niveau de la poitrine et elle ne cesse de croître? C'est quand tu actives ton deuxième creuset, le creuset émotionnel dans le thorax. C'est une montée de Kundalini. Donc la Kundalini, quand elle se charge dans le bassin, le premier creuset, tu vis un éveil instinctif.
Quand la Kundalini arrive au thorax, au deuxième creuset, enfin je parle de creuset dans le taoïsme, hein, on ne parle pas de chakra, on parle de creuset. Quand elle arrive, quand la force vive consciente arrive dans le creuset émotionnel, dans le thorax, tu vas vivre une petite tachycardie, ça fait augmenter un petit peu ça fait augmenter pas mal le rythme cardiaque. Et puis il y a ce sentiment de félicité qui arrive, parce qu'on appelle ça un éveil émotionnel. Ensuite, quand la Kundalini arrive au niveau du troisième creuset dans le crâne, donc au niveau de la glande pinéale et de la glande pituitaire, là tu vas vivre un éveil analytique. Et quand tu actives ton quatrième creuset entre l'os pariétal et l'occiput, là c'est l'éveil spirituel, c'est l'instase mystique, c'est en dessous de 1 Hz. Donc voilà, ça c'est les quatre éveils. Éveil instinctif, éveil émotionnel, éveil analytique, éveil spirituel. Il y a quatre éveils. Les gens ne le savent pas, mais on parle pas d'un seul éveil. Il y a quatre éveils. Instinctif, émotionnel, analytique, spirituel. C'est ça une vraie montée de Kundalini. Ok. Une question de Jess. Quelles sont les règles et le fonctionnement après la mort? Réincarnation ou pas? Quelle religion, livre ou théorie se rapproche le plus des vérités à connaître pour préparer sa mort? La question, c'est quelles sont les règles et le fonctionnement après la mort? On vit dans un univers de réincarnation. Tous les êtres se réincarnent. Donc, c'est automatique. Là, on n'a rien à faire. On vit dans le samsara. C'est dans les doctrines à haute intensité spirituelle, c'est considéré comme une malédiction. L'incarnation, de revenir perpétuellement s'incarner dans un univers de cause à effet, c'est le samsara, c'est un cycle infernal. C'est considéré comme toxique. Le but, c'est le moksha, c'est de faire cesser le cycle des réincarnations. Et ensuite, Le taoïsme. Moi, je suis taoïste dans la moelle des os. Donc, si tu veux vraiment avoir une bonne approche des mécanismes de l'univers, comment ça fonctionne, intéresse-toi au taoïsme. Donc, le taoïsme, c'est le Qing de Lao Tzu. C'est le Lidzi, de Lidzi, c'est un livre éponyme. C'est le Chuangzi, de Chuangzi, c'est un livre éponyme aussi. Et c'est le Yi Qing, de Confucius et du roi Wen, et de Wang Di. Donc quand tu maîtrises le Tao Te Ching, le Chuangzi, le Lidzi et le Yi Qing, tu sauras comment fonctionne, tu connaîtras les mécanismes de l'univers. Ok, alors avant de passer à la prochaine question, j'avais oublié de vous dire, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce, vous êtes déjà 170 en... Hop là. François Pignon. C'est Monsieur Gaffer, vous le savez. Il a enlevé le casque, voilà, donc d'un côté pour le mettre de l'autre. Donc, donc n'oubliez pas le petit pouce, hein, vous êtes déjà 178, le temps de le dire, voilà. Donc ça augmente très vite, donc les pouces en fonction des présents. Voilà, merci beaucoup. Une question, comment passer l'étape du cœur qui tape à foison? Je viens d'en parler là, voilà. Il y a 5 minutes, dans une montée de Kundalini, une fois que le premier creuset instinctif est chargé, l'énergie va monter dans le deuxième creuset, donc elle va déclencher une tachycardie temporaire, ça dure quelques secondes. Le cœur monte à 150, 160, mais il faut pas en avoir peur. C'est une fois que l'énergie va, que le yuan qi va passer dans le troisième creuset, la tachycardie va s'arrêter. Il faut pas craindre. Moi je l'explique à chaque fois. La méditation profonde consiste à descendre son activité neuroélectrique pour faire monter son yuan qi de creuset en creuset. Et tout le long du processus, il va se passer des choses indépendamment de la volonté du méditant. Il y a un état précataleptique qui va apparaître aux environs de 6-7 Hz. Il y a la tachycardie quand le creuset émotionnel sera chargé. Voilà, ça fait partie du processus. Tout ce qui est rigidification, cette catalepsie, tout ce qui est tachycardie, le rythme cardiaque va descendre à 40 pulsations minute, la pression artérielle va augmenter. Il y a tout un tas de choses qui vont se passer. C'est la physiologie qui va se caler toute seule. C'est un peu ce qui se passe dans une hypothermie. Il faut savoir que le processus de méditation profonde, une séquence supraconsciente, de passer de 11 Hz à 1 Hz, descendre dans les profondeurs de sa conscience, ça va déclencher un phénomène physiologique qui s'apparente à une hypothermie. Le corps va se rigidifier, le rythme cardiaque va descendre à peu près à 40 pulsations minute, le rythme respiratoire va passer à une respiration minute. Voilà, ça fait partie du mécanisme, c'est comme ça. Une autre question. Quand est-ce que l'on abordera le noyau de l'initiation? Je viens de le dire en début de vidéo, c'est dans quelques mois. Il faut le temps.
D'abord, il y a plein de sujets qu'on n'a pas encore abordés et qui sont essentiels. Il faudra que je les aborde. Et puis petit à petit, on ne va pas rentrer dans le noyau de l'initiation du lundi au mardi. Hein. Je ne vais pas d'un coup dire, tiens, ça y est, cette vidéo, on rentre dans le noyau de l'initiation. Ça va être graduel. D'ici quelques mois, petit à petit, doucement, doucement, on va rentrer dans le noyau. Alors le noyau, il ne faut pas croire que d'un coup, je vais faire des révélations. C'est tous les sujets qu'on a abordés, mais approfondis. Avec quelques notions en plus. Pour l'instant, elles ne sont pas envisageables pour la plupart d'entre vous. Vous ne maîtrisez pas le tétralème. Le Madhyamaka, la pensée paradoxale, vous ne la maîtrisez pas. Donc d'ici quelques mois, quand certains commenceront à maîtriser le tétralème, on commencera à rentrer dans le noyau de l'initiation. Il faut complètement reconfigurer sa psyché pour comprendre certains principes métaphysiques ou certains principes abstraits liés au noyau de l'initiation. C'est une reconfiguration totale de la psyché. Alors, une question, alors que ça a déjà été... c'est bien d'y répondre. Comment fait-on pour avoir un cinquième creuset alors? On ne peut pas avoir voilà. Cinquième creuset pour l'instant. L'humain, pour l'instant, est cantonné au quatrième creuset. C'est-à-dire ce que les bouddhistes appellent l'ushnisha, ce que les hindouistes appellent le sahasrara chakra, ce que les taoïstes appellent le zenzu, la perle du dragon, le tianlong zenzu, ce que les alchimistes appellent la pierre philosophale. Ça, on y a accès, c'est le quatrième creuset. Le cinquième creuset, oubliez-le, il ne concerne que les consciences merkabiques, les cubes métatroniques. Et nous n'aurons pas de cinquième creuset avant plusieurs millions d'années, quand on sera complètement éthérisé, quand on n'aura plus de substance organique. Donc, ça fait plusieurs personnes qui me disent, j'ai un copain aussi, je vais le citer, Richard, que j'appelle Ricky, moi, sur Facebook, et qui me dit, mais moi, je suis sûr, j'ai activé le cinquième creuset. Il ne faut pas être présomptueux comme ça. Les humains n'ont pas accès au cinquième creuset. Chez les juifs kabbalistes, ça s'appelle Yechida. Cette sphère de conscience où nous est, pour l'instant, évolue au-delà du champ de conscience de Sapiens Sapiens. On n'y a pas accès. Donc contentez-vous déjà, pour l'instant, d'activer votre quatrième creuset. Et c'est déjà un travail psychophysiologique dur. C'est un travail de yogi qui nécessite contrôle respiratoire, décontraction musculaire, vacuité cérébrale, gestion de la peur. Activez déjà votre quatrième creuset parce que le cinquième creuset ne nous concerne pas. Alors, il y a une question concernant un livre du taoïsme qui s'appelle alors Zhuangzi, well, c'est ça? Alors, c'est alors, un est-ce livre que c'est un bon livre? C'est un livre éponyme. Le Zhuangzi s'appelle Zhuangzi et il a été écrit par Zhuangzi. On dit Zhuangzi aussi avec la latinisation. Zhuangzi est appelé en français Zhuangzi. Alors oui, c'est un bon livre. Le Zhuangzi, c'est un très bon livre. Ça parle... Une des stances du Zhuangzi, elle est très connue, c'est par exemple, est-ce qu'un homme rêve qu'il est papillon ou est-ce qu'un papillon rêve qu'il est homme? Ça fait partie des stances du Zhuangzi. Ouais, c'est un très bon livre. Je l'ai cité en début de live. Les quatre livres fondamentaux du taoïsme, c'est le Tao Te King de Lao Tzu, c'est le Zhuangzi de Zhuangzi, c'est le Lizi de Lizi, ce sont des livres éponymes, et le Yi King. Le Yi King, il a été coécrit par Confucius, le roi Wen, Yuan Di, il y a plusieurs personnes qui ont écrit le Yi King. Donc bien sûr, le Zhuangzi, c'est un des fondamentaux du taoïsme, c'est une très, très, très... c'est mythique. Alors, pouvez-vous développer les trois œuvres alchimiques? Parce que ça fait trois ans que la personne essaie non, de passer... Non, je ne le fais pas. Je le fais pas parce qu'on est en train de préparer un triptyque. Je suis en train de préparer trois vidéos qui sortiront en octobre. Alors, les trois volets seront l'alchimie médiévale, l'alchimie interne chinoise et l'alchimie personnelle, le parcours alchimique personnel. Ça sera l'objet de trois vidéos. Donc, on en parlera au mois d'octobre quand ce sera l'heure. Voilà. Une question de Christophe qui dit « Y a-t-il une raison mentale ou psychologique pour laquelle certaines personnes arrivent à se décorporer et d'autres beaucoup plus difficilement, voire pas du tout ?» Oui, il y a une raison. Les neurotypiques, comme 99,9% de la population, les neurotypiques fonctionnent avec les deux lobes alternés. Le gauche et le droit fonctionnent en alternance, à très grande vitesse et à très haute fréquence, entre 25 et 30 Hz. Alors que les autistes Asperger font partie des gens, le syndrome cérébral fait fonctionner les deux lobes en même temps, synchronisés à basse fréquence. Donc bien entendu, comme la méditation profonde elle est basée sur la vacuité cérébrale et la synchronisation des deux lobes,
les autistes Asperger sont configurés d'usine pour faire de la supraconscience et des instances mystiques. D'ailleurs, ça a été répertorié. Il y a un docteur qui s'appelle... comment il s'appelle déjà ? Ça va me revenir. Un docteur anglais qui vit à Melbourne, en Australie, qui a fait une thèse en expliquant que tous les gens qui ont accès à la supraconscience et à l'éveil profond sont des autistes Asperger. Ça va me revenir. Comment il s'appelle celui-là déjà ? Et du coup, pourquoi il y en a qui arrivent absolument pas ? Alors, ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui sont dans l'engluage verbal. Les gens qui ont dû, c'est les gens qui, toute la journée, sont en train de penser à la liste des courses, à leurs soucis. Est-ce que mon fils va avoir le bac ? Est-ce que ceci, est-ce que cela ? Les est-ce que, ça empêche l'instase mystique. D'accord. L'engluage verbal, le bouillonnement mental, empêche de descendre l'activité neuroélectrique. Quelqu'un qui n'arrive pas à se... Il faut trancher les liens, on appelle ça. Quand on fait une séance de méditation profonde, on n'a plus de soucis. On n'a plus d'enfants, on ne pense pas à ces tracas. Même les enfants, on tranche les liens émotionnels. On n'a plus de mari, on n'a plus de femme, on n'a plus de neveux, on n'a plus rien. On est face à face avec soi-même et l'émanation de la substance divine. Okay. On fait un recueil en soi. Les gens qui n'y arrivent pas, ce sont les gens qui sont parasités par leur monologue intérieur. Le monologue intérieur de leur moi conscient. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Oh mon Dieu, comment ça va se passer ? Ce rendez-vous, ceux-là n'y arriveront jamais. Ceux qui même cogitent la nuit, ça les empêche de dormir. Ah, c'est souvent, ils n'y arriveront jamais, malheureusement. D'accord, ok. Alors, il y a Lolo qui dit « Lors de mes méditations, il m'arrive de recevoir un flash de lumière très intense et bref. Est-ce bon signe ?» Ouais, c'est le kensho, ça s'appelle. C'est l'éblouissement. Ça veut dire que furtivement, tu as eu un début d'éveil partiel. Alors, l'inondation de lumière, comme ça, y a, les Japonais ont vraiment cartographié. Il y a trois peuples qui ont cartographié le phénomène. C'est les Chinois, les Japonais et les Juifs kabbalistes. Donc, éveil instinctif chez les Japonais s'appelle Mushin, premier creuset. Deuxième éveil, l'éveil émotionnel, ça s'appelle Fudoshin. Troisième éveil, c'est le Kensho, c'est l'éblouissement de lumière. On appelle ça l'éveil partiel. Et le quatrième éveil, l'éveil spirituel, c'est le Satori. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, le quatrième creuset, il n'est pas dans la carcasse organique. Il est situé au-dessus de la tête, entre l'occiput et l'os pariétal. Par exemple, la kippa, chez les juifs, c'est le réceptacle de Keter, de la sphère de conscience Keter, de la sphère Haya, Hayar. Et ça ouvre le champ de conscience Keter. On fusionne sa psyché avec l'Ein Sof, l'émanation de la substance divine. C'est-à-dire, toutes les doctrines à haute intensité spirituelle ont cartographié les quatre creusets, le phénomène supraconscient, c'est l'arbre séphirotique, il part de Malkout, il va jusqu'à Keter, il y a 11 sphères, enfin 10 sphères et une non-sphère. Da'at, c'est la quatrième non-sphère, c'est la mort-connaissance. Ben, c'est le parcours qu'on fera en descendant ces Hertz. Malkout à 11 Hertz. Jusqu'à Keter, 1 Hertz, c'est quand on gravit l'arbre séphirotique, en fait, on descend son activité neuroélectrique. Oui, alors là, il y a une question d'Alain qui dit, est-ce qu'il est possible de faire un rappel concernant la façon de nettoyer la glande pinéale ? La glande pinéale, je vais t'expliquer comment elle fonctionne. La glande pinéale, elle est constituée de microcristaux d'apatite, c'est un minéral. Noyés, ces microcristaux d'apatite, ils sont noyés dans du liquide céphalo-rachidien. Et ce liquide céphalo-rachidien a la fonction de la glande pinéale, c'est de modéliser le monde éthérique, la force vive consciente. Alors, comme ce minéral est composé de fluoroapatite, on appelle ça ce minéral qu'il y a dans le liquide céphalo-rachidien, c'est de la fluoroapatite. C'est un minéral la molécule, elle est en tétraèdre. Elle se recombine, elle forme en se recombinant des microcristaux. Pour éviter de la cristalliser, si tu rajoutes du fluor, par exemple un dentifrice au fluor, il y aura trop de fluor dans la fluoroapatite, elle va se calcifier. Donc on évite le fluor. Et sinon, pour la garder bien fluide, pour que les cristaux soient bien fluides dans le liquide céphalo-rachidien, il n'y a qu'un moyen, c'est la vacuité cérébrale. Plus tu feras des exercices de méditation profonde, des exercices de vacuité cérébrale, au plus la glande pinéale sera active, au plus tu auras de facilité à l'activer. Et puis éviter le fluor. Ok. Trop de fluor calcifie la fluoroapatite. Voilà, les microcristaux, s'ils se recombinent avec trop de fluor, ça le calcifie. Ok.
Ben, pendant que Jean-Paul boit un coup, je vous rappelle le petit pouce bleu, vous êtes 236 personnes connectées. Bravo, merci. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Donc, qui dit 236 personnes dit 236 pouces bleus. Voilà, je continue. Que penses-tu des Esséniens ? Les Esséniens, c'était des Gnostiques qui avaient cours au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est des Nazaréens, c'était des gens qui partaient à la rencontre de leur cadmon, de leur soi divin, donc qui étaient à la recherche de l'état christique. Donc les Esséniens, eux, avaient une parfaite connaissance de ce que c'est l'état christique, la conscience christique. Contrairement, par exemple, aux chrétiens, qui ont totémisé la conscience christique, en ont fait un homme factice. Hein. Moi, je le dis à chaque fois, Jésus de Nazareth n'a jamais existé. C'est un dieu composite qui a été recomposé justement avec Emmanuel Machiar, la conscience christique des Esséniens, avec Sérapis, avec Mitra, avec le Sol Invictus. Mais ce qu'on ne peut pas enlever aux Esséniens, c'est qu'ils avaient compris exactement ce qu'était la conscience christique. Donc ils se réunissaient à Qumran, ils allaient dans des grottes, parce que la masse minérale confine la glande pinéale, l'activité neuroélectrique, ça facilite énormément, comme les cathédrales, comme les pyramides. Et puis ils se réunissaient dans ces grottes, ils faisaient des exercices psychophysiologiques, c'est-à-dire des balancements lancinants, de la vacuité cérébrale, c'est-à-dire passer en onde de θ, et puis doucement, ils allaient vers les ondes delta, ils faisaient une communion mystique avec l'émanation de la substance divine, ils atteignaient la conscience christique. Donc oui, c'est bien les Esséniens. Une autre question, que pensez-vous de Franz Bardon et de l'hermétisme ? Bah, Franz Bardon ou d'autres que dans le même archétype comme Rudolf Steiner ou Elena Blavatsky, tous ces mystiques, moi je le déconseille un peu. Ils n'ont pas dit que des bêtises, parce que c'était des syncrétistes qui allaient puiser dans le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme. Donc ils n'ont pas dit que des bêtises, mais je le déconseille. Le syncrétisme tel qu'il est présenté par Bardon ou par Blavatsky ou Steiner, je le déconseille. Tant qu'à faire d'étudier des gens un peu comme ça dans une mouvance de supramental, aller mieux vers Krishnamurti ou Sri Aurobindo. Question de Dark Cock le site, c'est rigolo. Est-il vrai que tous les détails de toutes nos existences sont stockés dans la mémoire akashique ? Ouais, la conscience merkabique, c'est-à-dire tes quatre creusets et ton champ aurique conserve la mémoire de toutes tes incarnations passées. Ça s'appelle le collier de perles de Camille chez les Asiatiques. C'est-à-dire, tu peux remonter en état de supraconscience, en état de méditation profonde, tu peux remonter tes incarnations. C'est une perte de temps, hein, moi je l'ai fait il y a quelques années. Ça devenait obsessionnel, je voulais savoir les vies que j'avais eues. Je l'ai fait, c'est une perte de temps. Je le déconseille. Le but de ma discipline, c'est d'aller vers l'instase mystique, à 1 Hz d'activité neuroélectrique. Donc les phases hypnagogiques féeriques entre 9 Hz et 11 Hz, c'est une perte de temps. Perdre son temps sur le canal pranique à partir de 6 Hz pour être fasciné par son véhicule céleste et l'accélération luminique, c'est une perte de temps. Le but, c'est d'atteindre l'instase mystique, d'être concentré et de franchir le rideau infrascopique pour rentrer dans l'émanation de la substance divine. C'est un bain de jouvence qui est recherché dans... C'est le samadhi, on appelle ça le samadhi, on appelle ça le satori, on appelle ça l'anstase, on appelle ça le quatrième état de conscience, on appelle ça l'éveil paradoxal, l'éveil spirituel, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est ça le but. Après, toutes les petites étapes un petit peu amusantes du processus, on s'aperçoit au bout d'un moment que c'est une perte de temps. Moi, je l'ai remonté, j'ai remonté partiellement, parce que on ne peut pas consulter toutes ses vies, mais je l'ai consulté partiellement, c'est une perte de temps. Okay. Par contre, je suis très, très, très imbibé encore de quelques-unes de mes anciennes incarnations. Quelques-unes. On les garde la dernière, toutes, tu penses ? Est-ce qu'on les garde toutes ? Certaines marquent plus que d'autres par rapport à la vie qu'on a menée. D'accord. Ma dernière vie a été palpitante, elle m'a marqué. Et j'ai une vie aussi au 19e siècle. Où j'avais rencontré Madiyat, où j'étais très amoureux de Madiyat, une rencontre à la fin du 19e siècle. Et puis cette incarnation m'a vraiment collé, parce que là, depuis deux siècles, Madiyat, je ne l'ai plus retrouvé. Donc
ma dernière incarnation et une incarnation fin 19e, 1880 à peu près, m'ont énormément marqué. D'accord. Entre autres, il y en a d'autres aussi, mais ces deux-là m'ont marqué. Ça se traduit comment, en fait ? Ben, on sait tout. Quand on est en état supraconscient, on refait le... Ah, quand t'es en état supraconscient, mais est-ce que quand t'es pas en état supraconscient, est-ce que tu te dis, tiens, ça, c'est quelque chose... Ça peut arriver, ça peut arriver, par exemple, vous arrivez d'un... Si vous avez vécu un événement précis, dans un endroit précis, là, sans être en état supraconscient, vous allez quelque part, vous allez dire un sentiment de déjà-vu. Dire ça, cet endroit me dit quelque chose. On appelle ça chez les Asiatiques, chez les Japonais, le mono neaware, la quintessence de quelque chose qui surgit comme ça, un fudoshin. Ben, c'est parce que votre véhicule céleste se rappelle ce qui s'est passé à ce moment précis. Donc, mais vous n'allez pas pouvoir l'analyser. D'accord. Oui, d'accord. Ça sera juste un sentiment. De faire, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, bonheur, malheur. Ça peut être les deux. D'accord. Selon l'événement qui a été vécu. Okay. Bon ou mauvais, ça peut être les deux. Il y a des gens, des fois, ils se disent, tiens, cet endroit, j'ai l'impression, je ne suis jamais venu, mais j'ai l'impression que je le connais. C'est parce que les incarnations précédentes sont venues et ont vécu du bon ou du mauvais. Là. Et comment on peut le différencier avec la synchronicité, pardon ? Non, on ne peut pas. Un humain lambda, il n'y arrivera jamais. Ah, d'accord. Non, jamais, d'accord. Jamais. On ne sait pas si... Vas-y. Vas-y, continue. Est-ce que ça peut être aussi du futur ? Ça peut être plein de choses, mais je vais t'entendre expliquer à ta femme. Un lambda, il ne rêvera jamais. Ouais, c'est ça. Mais ça sera juste furtif, un sentiment, et puis fugace. Et puis le lendemain, c'est fini. Mais ça peut être une vision du futur, par exemple. Tu ne peux pas le traduire, tu ne peux pas le traduire. Un humain lambda n'arrivera jamais à le traduire. Jamais, il ne saura pas à quoi il a affaire. D'accord. Il le vivra comme quelque chose d'inexplicable. Alors, est-ce que Joe Dispenza est un supraconscient ? Voilà. J'ai l'impression que c'est plus un intuitif. Voilà. Moi, je le vois comme ça. C'est un intuitif. Il a compris certaines choses intuitivement. Après, de là à dire que c'est un supraconscient, non, je ne m'avancerai pas. C'est un intuitif, par contre. Alors. Comment se peut-il que j'ai fait une dizaine de rêves prémonitoires sans avoir fait de séquences supraconscientes ? Ben parce que dans les rêves, figure-toi que l'activité neuroélectrique se met en configuration pour faire des séquences supraconscientes. Tous les humains de la planète, la nuit, font des rêves prémonitoires. Alors le matin, des fois, ils l'oublient ou ils s'en rappellent, ou alors certains n'arrivent pas bien à l'analyser. Mais tous les humains... Alors c'est simple, c'est juste que quand ils vont se coucher... Les gens, ils s'allongent, doucement, de 25 Hz d'onde bêta, ils vont passer en onde alpha, et puis doucement, ils vont passer en onde theta. Là, le corps, l'hippocampe, le système cérébro-spinal va envoyer de la mélatonine, de la dopamine, de l'ocytocine pour endormir le corps. Et dans cette plage de fréquence, onde theta, donc entre 7 Hz et 9 Hz, 10 Hz, à fleur avec les ondes alpha, c'est là... qu'on peut faire, on appelle ça la phase intermédiaire céleste, c'est là qu'on peut faire du prémonitoire. Mais là, on s'endort, on est passé dans le sommeil. Donc c'est à la portée de tous les humains de la planète. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a des fois, ils ne sont pas forcément supraconscients, mais le matin, ils se lèvent, ils racontent un rêve à leur frère, à leur mère, à leur père. Ils disent, tu te rends compte, j'ai rêvé que... Je donne un exemple, il va tomber un météore sur une voiture, et puis ça arrive. Mais pourtant, ce n'est pas un supraconscient. Mais ce soir-là, son activité neuroélectrique, quand elle est arrivée dans les ondes de Theta, ben, il était en syntonisation avec son véhicule céleste et il a accès au futur. D'accord. On vit dans un univers bloc. Alors, vous allez sur Google, les astrophysiciens de pointe actuellement expliqueront mieux comment ce qu'est un univers bloc. Les scientifiques savent maintenant qu'on vit dans un continuum espace-temps, un futur prédéterminé. On vit dans un univers bloc, c'est comme ça. Les choses sont telles qu'elles sont, il faut les accepter. C'est d'ailleurs parce que le futur est prédéterminé, c'est d'ailleurs à cause de ça qu'on arrive à voir le futur. Et en état de... En onde de la nuit, quand tu dors, ben, tu es en prédisposition pour faire de la supraconscience. D'ailleurs, dans plusieurs vidéos, je l'explique, dans des vidéos plus anciennes, si vous remontez le fil des vidéos, à 10-15 reprise, j'explique que la nuit, tous les humains font des séquences supraconscientes, à leur insu. Alors,
Lolo, peux-tu s'il te plaît reformuler ta question concernant la lecture du Yiking? Voilà, reformule-la parce que je ne vois pas de question dans ta phrase. Il y a un point d'interrogation à la fin, effectivement, mais il n'y a pas de question. Ou alors je le traduis mal. Alors je m'en excuse par avance, mais voilà, si tu peux la reformuler, je te remercie. Et en tout cas, je vous remercie aussi tous parce que vous mettez tous la lettre Q ou le mot question juste avant vos questions. Et c'est vraiment du petit lait pour moi. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. L'homme posera-t-il les pieds sur Mars ? Non, question. Jamais. Mais enfin, je ne sais même pas pourquoi je vous le dis. Voilà, justement, il y a quelqu'un qui a dit spoiler. Ouais, c'est du spoil. Non, jamais, on n'ira jamais. Nous sommes en train d'atteindre notre seuil de stagnation technologique. Alors... je vais expliquer vite fait, mais les gens qui touchent leur bille un peu en astrophysique et en technologie un peu liée à l'aérospatiale, tout ça, vous expliqueront certainement mieux que moi. Saturne V, la plus grosse fusée que les humains ont construite jusqu'à présent, qui lançait les modules Apollo, avait déjà énormément de mal à s'extraire du champ orbital terrestre, c'est-à-dire... l'arrivée en course elliptique très très juste, tout juste à sortir du champ elliptique orbital, et il fallait que le remette une petite injection de poussée pour rentrer dans le champ elliptique de la Lune, c'est-à-dire qu'elle se servait pour la fusée Saturn V, malgré sa puissance, elle était obligée de se servir du champ orbital comme d'une fronde pour arriver jusqu'à la Lune. Donc on voit la taille de Saturn V. Alors maintenant, si vous voyez le projet qu'ils ont fait pour la fusée de Mars, alors la capsule Apollo faisait, je sais pas, 3,75 m de diamètre. La fusée pour aller sur Mars, la dernière, elle fait 5 m. Et la fusée qui va la transporter sera un petit peu plus grande que la Saturn V. On ne peut pas aller au-delà, ce sont des contraintes physiques, technologiques. Mmh. On a atteint le seuil de stagnation technologique. Okay. Donc les humains, petit à petit, vont abandonner le projet de Mars, tout simplement parce qu'il y aurait trop de milliards de dollars à sortir. De milliards de dollars ou de milliards d'euros à sortir par rapport aux gains. Il n'y a rien à récupérer sur Mars, il n'y a rien. Pour aller récupérer des trucs, il faudrait installer des usines d'extraction minière et on n'y arrivera jamais. Donc non, le projet Mars, c'est bidon. Alors, une question d'Hugo qui dit, est-ce que tu as déjà entendu parler du moine capucin italien Padre Pio et de ses dons? Et si oui, comment est-ce possible? Donc, il aurait des dons de guérison? Je vais dire pareil, quoi. C'est Padre Pio, c'est si vous voulez. Si vous voulez, c'est pas un supraconscient, c'est un intuitif pour moi. Après, moi, j'étais pas là pour voir Padre Pio ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait, hein. Je pense que beaucoup de gens, des fois, sont dans la complaisance. Quand quelqu'un comme ça est adulé, on lui accorde des pouvoirs la plupart du temps qu'ils n'ont pas. Et puis après, c'est une espèce de vénération. Ça fait effervescence. Ouais, c'est... Après, j'ai rien contre lui. Hein. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'en reviens toujours à Steiner, à Blavatsky, j'en reviens toujours à d'autres personnes un peu, ou à Sri Aurobindo ou à Krishnamurti. Sont des gens qui ont eu une certaine aura, qui ont attiré un public, qui ont attiré des fidèles, des adeptes, et puis ils sont morts, et puis maintenant il faut les laisser tranquilles. Et puis ils n'ont rien fait, ces gens-là, que de retraiter des sujets qui existaient déjà dans l'hindouisme, le bouddhisme ou la kabbale juive, dans les textes canoniques. Tout a été dit dans les sutras de Bouddha, tout. Tout a été dit dans les sutras de Bouddha. Tout a été dit dans l'hindouisme, dans la Bhagavad Gita, les Upanishads, le Mahabharata. Tout a été dit aussi. Tout a été dit dans le taoïsme, dans le Tao Te Ching, le Yiking, le Chuangzi, le Lidzi. Donc après, tous les gens qui sont venus après, ils ont fait des bonbons ressucés. Alors moi, si ça vous fait plaisir d'être un adepte de Padre Pio, c'est pas grave, hein, faites-le. Mais moi, je vous conseillerais plutôt d'aller étudier les vrais textes canoniques liés au taoïsme, à l'hindouisme, au bouddhisme, au soufisme, à la kabbale juive, c'est-à-dire aux doctrines à haute intensité spirituelle, parce que tout a été dit, là. Moi, je ne suis pas un adepte des bonbons ressucés. Une question de Néo. Selon vous, est-ce une bonne idée de commencer à méditer avant 25 ans ou est-il nécessaire de vivre des expériences de vie au préalable ? Il faut vivre des expériences de vie au préalable. Le bon âge, c'est une trentaine d'années. D'ailleurs, Siddhartha Gautama Shakyamuni, Bouddha, a eu son éveil à 30 ans.
C'est caractéristique, c'est l'âge où on commence à s'éveiller, c'est une trentaine d'années. D'abord, on récupère son dharma de l'incarnation précédente, parce qu'un éveillé va naître en éveillé. Un éveillé, quand il meurt, il ne va pas renaître en éveillé dès sa naissance. Mais à un moment donné, il va avoir ce qu'on appelle un éveil soudain au cours de sa vie. En principe, c'est entre 30 et 40. Mmh. Il va récupérer l'éveil de son incarnation précédente. Il récupère son capital, d'accord, son okay, capital spirituel. D'accord. Et c'est entre 30 et 40. Okay. Donc Gautama, Shakyamuni, le Bouddha, a connu son premier éveil à 30 ans. Donc il vaut mieux attendre. Alors je précise pour les gens qui cuculent la praline du New Age, qui mettent des Bouddhas de partout chez eux et qui sont dans la gentillesse, la compassion. Bouddha, c'était un guerrier d'élite, c'était un kshatriya, c'était pas un brahman, c'était un guerrier d'élite, c'était un quatrefractaire. Il appartenait à la cavalerie lourde, quatrefractaire. C'était un Népalais qui a été initié de ses 8 ou 9 ans jusqu'à ses 30 ans au maniement des armes, à la lance, à l'arc, à la cavalerie, charge de cavalerie. C'était un guerrier d'élite, Bouddha. Parce que des fois, on me dit, oui, mais tu as un côté un peu guerrier qui dérange. Ben, les gens, d'un coup, se mettent à parler de Bouddha. Je dis, putain, t'as trouvé que Bouddha, c'était un guerrier, le mec. Ne me parle pas de Bouddha pour parler de pacification. Bouddha n'a parlé que de pacification spirituelle, pacification de l'âme. Il n'a jamais parlé de pacification. La guerre, c'est la guerre. Hein. Et lui, c'était un guerrier d'élite, Bouddha, un kshatriya. Vous pouvez vérifier. Quel est le rapport entre les creusets et les phases vers Satori ? Je comprends pas la question. Donc, Mika, peux-tu, s'il te plaît, reformuler ta question ? Les creusets, c'est un autre nom pour parler des chakras. Donc, monter ses creusets, c'est faire monter sa kundalini, c'est faire monter son yuan ki, son prana, c'est le faire monter de creuset en creuset pour atteindre l'instase mystique. Donc, plus le prana va monter de creuset en creuset, de chakra en chakra, au plus il y aura une succession d'éveils. Premier chakra, premier creuset, moi je parle en creuset, Mushin, quand il va se charger, tu vas vivre un éveil instinctif. Deuxième creuset dans le thorax, l'éveil, tu vas vivre un éveil émotionnel, on appelle ça le Fudoshin. Troisième creuset, quand ton troisième creuset va se charger, c'est le Kensho, c'est l'éveil analytique. Et entre l'os pariétal et l'occiput, le quatrième creuset éthérique qui est au-dessus de la tête, quand il va se charger, tu auras ton éveil spirituel, tu auras une instase mystique, tu vas te retrouver partout dans l'univers, à toutes les époques du passé, du présent, du futur, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est une instase mystique. Ta psyché va se diluer avec l'univers. Elle va se diluer avec l'émanation de la substance divine qui soutient l'infrastructure de notre réalité. C'est plus précis. Une autre question de Néo. Alors, on ne t'excuse pas, parce qu'il s'excuse de poser plein de questions, mais c'est le but du jeu. Que pouvez-vous dire sur les trois phases exotériques, mésotériques et ésotériques ? Sur rien. Rien. C'est pareil que le Pardès, chez les Juifs, il y a plusieurs niveaux. Le dernier niveau étant le Sod, c'est-à-dire arriver à un moment donné, quand tu reviens de ta première instase mystique, tu récupères des Siddhi, on appelle ça des facultés supranormales. Et donc, le top, c'est quand tu atteins leurs activités neuroélectriques, que tu atteins le samadhi. Alors non seulement tu dilues ta psyché avec l'émanation de la substance divine, tu ne fais plus qu'un avec l'univers, et en plus tu en ramènes des siddhi, des facultés supranormales, c'est-à-dire tu vas devenir super intuitif, tu vas faire des rêves prémonitoires, tu vas avoir le don de bilocation, tu vas faire du voyage astral, tu vas faire de la télépathie, c'est ça les siddhi. Donc il y a plusieurs gradients effectivement, mais sachant que moi je parle pas en tant que ésotérique, c'est, je vais te parler ça plus en tant que atteindre Turiya à 6 Hz d'activité neuroélectrique, l'éveil partiel, ou atteindre le samadhi, l'éveil profond à 1 Hz d'activité neuroélectrique. C'est ça le but. C'est pas des mots, on s'en fout de la sémantique. Petite parenthèse, Clem. Tu peux fermer la porte, ça fait trois fois que je te fais signe, mais il ne me voit pas. Petite question donc d'Alexandra. Pourquoi certaines personnes naissent handicapées ? On appelle ça des incidences karmiques. Quand tu meurs, quand tu vas mourir, un supraconscient connaît le processus. Parce que le processus de la mort et le processus supraconscient sont identiques. Quand tu vas mourir, ton activité neuroélectrique va chuter brusquement. Donc en une phase très courte, tu vas faire de l'hypnagogie, du luminique et de l'infrascopique. Quand tu vas atteindre 11 Hz, 6 Hz, 3 Hz, 1 Hz, eh bien, tu vas vivre une séquence supraconsciente. C'est pour ça que les gars qui vivent une EMI décrivent très pour très une séquence supraconsciente.
Donc, un supraconscient, quelqu'un qui a l'habitude de parcourir le canal pranique et de franchir le rideau infrascopique et de rentrer dans l'émanation de la substance divine, il n'est pas effrayé quand il meurt parce qu'il rentre à la maison. Le processus, il le connaît par cœur. Par contre, un humain lambda, il peut avoir très très peur. Le processus ne le connaît pas. Il va avoir des choses qui vont le surprendre, qui vont lui faire très très peur. Et là, selon sa psyché, comment elle réagit, son incarnation suivante sera détériorée. Il va être handicapé ou avec une atteinte mentale. D'accord. Alors, là, il y a deux questions. C'est pour ça que les voies à haute intensité spirituelle, une des vocations de la cabale juive, du bouddhisme, de l'hindouisme, du taoïsme, du soufisme, c'est d'apprendre à mourir. Dans la voie tibétaine, dans le Vajrayana, le Bardo Tedel est un livre qui traite à la fois du voyage astral, de la décorporation mystique, et qui traite à la fois du processus thanatologique, apprendre à mourir. Parce que le canal pranique, c'est qu'on fasse du voyage astral ou qu'on meure, c'est toujours le canal pranique. Les Égyptiens anciens aussi l'ont bien cartographié. Le culte raosiriac ou le Bardo Tedel rendent trait pour trait le processus thanatologique. Alors il y a une question de Jaguar Malinois Dog qui dit « Quel est le rôle occulte de certains conseillers ministériels ?» Et il y aura une autre question après. Il y a un cabinet occulte à l'Élysée, effectivement. Il y a un cabinet noir, on appelle ça, occulte à l'Élysée. Ce sont des personnes spécialisées, des supraconscients de très haut niveau, spécialisées dans l'espionnage, le contre-espionnage politique, industriel, militaire. Ils font des projections de conscience. Ouais, il y a un cabinet noir. C'était François Mitterrand, en 1981, qui l'avait créé. C'était un mystique, François Mitterrand, le président. Son surnom, c'était le Sphinx. C'est lui qui l'avait créé, ce cabinet ésotérique. Il existe encore. D'ailleurs, Macron, quand il a fait une photo, sa photo présidentielle, il est photographié devant une Marianne, qui représente la France. Il y a un baphomet, il y a un pentacle, il y a le 666... On voit vraiment dans le bureau de Macron, avec la Marianne qui est derrière, qui est truffée de glyphes ésotériques, on voit que l'Élysée est occulte. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, on avait fait une vidéo qui traite de l'occultisme à l'Élysée. Il y a l'occultisme aussi à Washington, au Capitole, à la Maison-Blanche. Tous les 10 pays les plus industrialisés en Occident ont tous des cabinets de supraconscients. Et les plus grands consortiums et les plus grandes banques mondiales ont des supraconscients de très haut niveau qui siègent au conseil d'administration pour prendre les bonnes décisions à la bourse, pour savoir si on doit acheter du sucre, vendre du pétrole, vendre du blé, racheter des betteraves. C'est tout traité par des supraconscients de très haut niveau parce qu'ils ont des flashs intuitifs. Et puis ils ont de la préscience, ils arrivent à entrevoir l'avenir. Et du coup, une autre question de la même personne, existe-t-il des échanges d'informations entre conseillers à travers les gouvernements mondiaux afin de définir une vision commune ? Ben, on vit dans un empire synarchique mondial. Vous ne le savez pas, les gens pensent qu'il y a encore des États, qu'il y a la France, qu'il y a l'Espagne, qu'il y a l'Italie, ça n'existe plus. L'Occident est géré par les 300 plus gros portefeuilles d'actionnaires de la planète. Donc nous sommes gérés par des consortiums, par des lobbies d'intérêt. Alors en haut de la pyramide, c'est le pouvoir financier international, c'est des banques qui se sont coalisées, qui pèsent des milliards de milliards d'euros. En dessous, il y a le pouvoir économique, donc ça, c'est les consortiums qui gèrent le lobby militaro-industriel, la pharmaceutique, qui gère l'agroalimentaire, les télécommunications, etc., etc. En dessous, après, il y a trois niveaux qui sont... Là, c'est les mâchoires de l'État. C'est le niveau opérationnel, stratégique et logistique. Et ensuite, le dernier niveau, c'est le niveau tactique, c'est-à-dire police, douane, gendarmerie et opération plan Vigipirate. Ça, c'est la mâchoire, les canines qui nous mordent le cul. Donc il y a plusieurs niveaux, il y a sept niveaux en fait. L'élite s'est structurée en sept niveaux. Attends deux secondes. Numéro 14 et 15 pour les vidéos sur l'Élysée. Voilà, je précise. Ah c'est voilà, super, parce que j'allais poser la question. Merci. Alors, une autre question donc de Gilda. Est-ce que vous pouvez parler de Kuan Yin, de la guerre contre les transhumanistes et de notre rôle dans tout ça? Kuan Yin, c'est un titre. C'est pas un nom. Kuan Yin, ça veut dire la sentinelle de l'humanité. Yin, c'est la Terre, la planète. Kuan, ça veut dire contemplation, tour de guet. Kuan Yin, ça veut dire la sentinelle de l'humanité. Ça veut dire aussi celle qui regarde en bas, celle qui contemple vers le bas. C'est la compatissante. Avalokiteshvara, on l'appelle aussi en sanskrit.
chez, en Inde. Kuan Yin, c'est un personnage qui a dans deux siècles. Alors, dans deux siècles, la date, elle s'appelle 222 chez les Taoïstes. C'est En Mao Kuei, on appelle ça la date. C'est 2222, où Kuan Yin est censé apparaître en même temps qu'En Mao Kuei, c'est-à-dire que l'Antéchrist. Parce que chez les Asiatiques, l'Apocalypse est décrit comme dans toutes les autres religions. Donc en 2222, Kuan Yin viendra pour combattre En Mao Kuei, pour combattre l'Antéchrist. Alors les dates sont à peu près similaires avec la Kabbale juive. La Kabbale juive annonce 2240 pour l'Armageddon. Mmh. Donc on voit entre 2222 et 2240, il y aura 18 ans de guerre. Mmh. On a le début, la date de début du conflit et la date de fin. En Mao Kuei signe la date de début, 2222, et 2240, l'Armageddon, c'est la fin de la guerre. Okay. Vidéo 44 pour Kuan Yin. Ouais, vidéo 44 pour Kuan Yin. Et du coup, la guerre des transhumanistes ? Les transhumanistes, Kuan Yin combattra ces gens qui seront des amalécites, c'est-à-dire des gens qui se seront fait greffer des membres artificiels, qui auront la force de 40 hommes, seront des gens cybernétisés. On y arrive doucement, là. Regardez les projets Atlas, Boston Dynamics, regardez les projets, les progrès qu'il y a eu dans les prothèses cybernétiques. Vous allez rester surpris. Hein. L'humain va se robotiser. Dans deux siècles, il y aura une caste dirigeante d'humains, des gens très aisés, qui se feront faire des yeux électroniques, des membres, avec une très grande force, vont déployer entre 30 et 40 fois la force d'un humain. Et c'est Kuan Yin va combattre cette élite cybernétisée. Ce sont eux qui vont. Le transhumanisme va mettre l'humanité à genoux. On va atteindre un stade de stagnation technologique d'ici une cinquantaine d'années. Par contre, on va commencer à mettre au point la coordination entre toutes les technologies de pointe. Donc la nanotechnologie va s'allier à la génétique, va s'allier à la cybernétique, à l'informatique. Ils vont optimiser, il va y avoir des séances d'optimisation des technologies de pointe. Et malgré le seuil de stagnation technologique, avec cette optimisation des technologies de pointe, il va apparaître le Kuei, le mâle, va montrer ses cornes. C'est-à-dire là, on va voir apparaître des humains qui n'auront plus rien à voir avec des humains. D'ailleurs, En Mao Kuei, l'antéchrist, chez les taoïstes, sera un être totalement cybernétisé. Okay. On le sait, les supraconscients, parce qu'on le voit, on l'a vu comment il se présentera. C'est un gars qui ne conservera que son cerveau, le visage, le thorax, les poumons, le canal médulaire, quoi, la colonne vertébrale, et tout le reste sera artificiel. Mais c'est un gars qui développera la force de 40-45 hommes. D'accord. Motricité, réflexe, ça sera. Enfin, ça dépasse l'entendement. Mm-hmm. Un humain lambda de maintenant n'arrive pas. Ne peut pas entrevoir ce qui va se passer dans deux siècles. Oui. Ça dépasse son champ de conscience. Évidemment. Et Kuan Yin va combattre des gens comme ça. On appelle ça, elle va combattre des humains augmentés. Alors comment elle va les combattre? Parce que les supraconscients ont des flashs intuitifs et ils maîtrisent le temps. Ils contrôlent, ils savent ce qui va se passer, la préscience. Donc quand on sait exactement qu'un bataillon va se trouver à tel endroit, à telle heure, à tel jour, ben, on peut l'attendre, on peut faire des guet-apens. Donc malgré toute la force technologique des transhumanistes, seront mis à mal par des supraconscients de très haut niveau, par Kuan Yin et l'escorte qui va l'accompagner de supraconscients de très haut niveau, qui maîtriseront le temps. Ils auront des flashs intuitifs et des flashs précognitifs et des apparitions du futur. Seront exactement les mouvements de troupes de l'ennemi. Et ça, quand on prévoit ce que va faire l'ennemi, il n'y a rien de mieux au monde. Et en face, ils n'auront pas les mêmes puissances. Non, ils n'ont pas accès à ça. D'accord. Non. Je l'ai expliqué mille fois à Clément. On appelle ça le comportement reptilien. Les amalécites qui sont axés sur le progrès, là, on les voit, là, ils montrent leurs cornes avec la 5G, ils traitent les gens, les humains lambda, ils les traitent d'amish. Macron, il a dit, vous êtes des amish, vous ne voulez pas de la 5G, vous vivez comme des amish. C'est parce que ces gens, Macron est un amalécite, c'est un transhumaniste. Macron, ce qu'il veut, lui, c'est de la technologie. Ces gens-là n'arrivent pas à atteindre l'instase mystique. Ils arrivent à charger leur premier creuset instinctif, ils chargent leur creuset analytique, ils sont très performants au niveau instinctif et analytique, mais ils n'ont rien au niveau émotionnel ni spirituel. Alors que les supraconscients, c'est l'inverse. Ils marchent en émotionnel et en spirituel.
Donc il y a deux politiques complètement antagonistes qui vont s'affronter. Les supraconscients ont accès au futur, ils voient exactement ce qui va se passer, alors que les reptiliens amalécites ont une très grande technologie, mais ils ne savent pas se servir des flashs précognitifs, ils n'ont pas de CD. Enfin, ils en ont, mais très peu. D'accord, ok, oui, je comprends. Ok. Comment on évolue de vie en vie ? C'est de vie en vie, tu évolues. C'est le progrès. Adam et Ève, le serpent, la pomme de la connaissance et les deux arbres de la genèse correspondent-ils à une montée de Kundalini et au réveil de la glande pinéale ? Oui. Oui, parce que voilà. L'arbre de la genèse, c'est l'arbre séphirotique. Donc, c'est l'arbre comment aller de Malkout à Keter. Et le deuxième arbre, c'est le Klipot. C'est la décompensation psychologique quand on entend Keter, l'anstase mystique. Je l'ai évoqué dans la dernière vidéo. Et bien sûr, alors j'explique. La Torah, l'Ancien Testament, la voie talmudiste chez les Juifs, est exotérique. Exotérique, justement. On en parlait tout à l'heure de l'exotérisme et de l'ésotérisme. Le Talmud, l'explication rabbinique de la Torah, est exotérique, c'est-à-dire c'est la lecture de surface. Par contre, chez les Juifs, il y a la voie zohariste, dont la voie du Zohar, du Sefer Yetzirah, du Massé Bereshit, du Massé Merkaba, et là on devient supraconscient. Donc, quand tu étudies par exemple la Torah, l'Ancien Testament, il faut savoir que si tu n'as pas le sot, tu ne pénétreras jamais le sens caché des Écritures. Tu auras accès à la lecture de surface. Point. Alors qu'un zohariste, un rabbin kabbaliste de très haut niveau, il a le sot, il possède le sot, il a atteint Keter, il a accès au futur, il a accès au voyage astral, au flash précognitif, il a des facultés supranormales. Donc forcément, lui, il sait lire l'Ancien Testament avec le sens profond des Écritures. Ça n'a rien à voir. Je prends juste un exemple, c'est sur David contre Goliath. Alors la lecture talmudiste de David et Goliath, c'est un petit bonhomme, David, qui prend une fronde et qui tue un gars qui fait 3,50 m de haut, donc Goliath, un philistin. Ça, c'est la lecture de surface talmudiste. Alors qu'un zohariste, il sait très bien qu'on parle d'un merkabiste, d'un yordei merkaba, d'un supraconscient de très haut niveau, qui optimise ses facultés en atteignant la supraconscience, donc Sier, donc il atteint Tiferet, ce qu'on appelle Tiferet, entre Tiferet et Keter. Donc il est en mode martial, super intuitif, et c'est comme ça qu'il arrive à vaincre Goliath. Alors la merkaba, dans la version talmudiste, sur le bouclier de David, du roi David, c'est l'étoile de David qui est dessinée, donc on va parler d'un bouclier, alors que les zoharistes, les juifs kabbalistes, savent très bien qu'on parle de la Merkaba, de son véhicule céleste, en configuration martiale, c'est-à-dire qui atteint Tiferet, c'est-à-dire là où on devient un loup-garou, où on a des réflexes qui dépassent l'entendement, une acuité visuelle qui dépasse l'entendement, une acuité auditive qui dépasse l'entendement, une précision, une force musculaire qui dépasse l'entendement. David, le passage de David contre Goliath évoque un Yordaï Merkaba, un Kwisatz Haderach, un supraconscient de très haut niveau qui affronte un mec très fort, mais il ne fait pas un pli, Goliath, parce qu'il a affaire à quelqu'un qui est passé en mode supranormal. Voilà la différence qu'il y a entre la lecture de surface des textes anciens et la lecture avec le sod, avec le sens caché des Écritures. C'est pareil dans les textes asiatiques, on appelle ça le Hagakure. Les textes chinois, japonais ou chinois se lisent avec le Hagakure, avec le sens profond des Écritures. Hagakure, ça veut dire caché sous les feuilles, la faculté de voir ce qui est dissimulé sous les feuilles. Mais bon, seuls les supraconscients ont accès à ça. Le sod, on le ramène de sa première anstase mystique. Tant qu'on n'a pas atteint le samadhi, qu'on n'a pas atteint Keter, qu'on n'a pas atteint le satori, c'est-à-dire l'anstase mystique, ben, on est privé de cette faculté. Où trouve-t-on des sons binauraux ? Ça ne sert à rien, les sons binauraux, arrêtez. Ça ne sert à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Justement. L'anstase s'atteint dans le calme total. Un hertz d'activité neuroélectrique ne peut pas s'atteindre avec des sons. Il faut mettre des boules caisses, il faut être dans une pièce qui est totalement isolée. Alors pourquoi ? Parce que les sons produisent des pensées parasites. Plus il y aura des sons, plus ça va générer des pensées parasites. Donc les sons binauraux arrivent à vous induire en onde alpha, à vous faire descendre à peu près à 12 hertz d'activité neuroélectrique. Vous plafonnez à alpha. Vous n'atteindrez jamais les 6 hertz de la phase θ,
des ondes θ, et vous atteindrez encore moins les ondes delta à 1 Hz d'activité noroélectrique. Les sons binauraux, là, ça vous fait bloquer, saturer aux ondes alpha. Donc jetez tout ça à la poubelle, tous ces procédés. C'est pareil que les lumières phosphènes. On vend des appareils à phosphènes pour induire des instances mystiques. Ce sont des escrocs qui vendent ça. Tous les dispositifs auditifs et visuels, vous pouvez les jeter à la poubelle. Ça vaut beaucoup d'argent et ça ne sert à rien. Un prof de yoga vous dira pareil que moi, ou un prof de Qigong. Jetez-le à la poubelle, tout ça, ça ne sert strictement à rien, à part à vous ponctionner de l'argent. Il y a un guignol, là, je ne vais pas citer son nom, qui se prend pour un voyageur astral. Je vais citer juste ses initiales, M.A., qui vend des appareils à phosphène, des machines pour des lumières. C'est un escroc, voilà, moi j'appelle ça un escroc. C'est un charlot de service. Voilà, message est passé. Petite intervention. Vous êtes donc 317 sur le live. Merci beaucoup de votre présence. Merci encore pour les questions en début de question ou la lettre Q, ça m'aide bien. Et n'oubliez pas les pouces. Voilà, Clément, il y a combien de pouces? Parce que moi, je ne les vois pas. 154 sur. Ah, ça ne va pas du tout. 154 pouces, vous êtes 316 personnes, ça ne va pas. Donc, il faut rajouter les petits pouces. Merci beaucoup. C'est important. Les consciences mercabiques peuvent-elles savoir ce qui se passe lors du moksha? Non, elles n'ont pas fait encore moksha. Malgré leur avancement, leur cinquième creuset, malgré leur élévation spirituelle, les consciences mercabiques ne franchissent pas le pas. Elles ont encore ce qu'on appelle du sana, de l'attachement. Elles sont encore attachées à une interconnexion avec d'autres consciences mercabiques ou avec d'autres mercabas. Il y a un attachement à notre réalité. Ça devient des géocroiseurs. Elles se baladent dans le cosmos. Elles ont des prérogatives. Je l'expliquerai quand on atteindra le noyau de l'initiation. Elles ont des fonctions dans l'univers. Je l'expliquerai un jour. Mais elles savent ce que c'est moksha, c'est-à-dire elles savent la portée éternelle que ça peut avoir. Elles savent que dès qu'elles se dilueront dans l'antéversus, dans ce que les juifs appellent l'Ein Sof Haor, ce que les hindouistes appellent le Brahman, ce que les bouddhistes appellent le Nirvana, elles savent que la dissolution est éternelle, qu'une fois qu'on a fait moksha, on ne peut plus revenir dans un univers de cause à effet. Mais elles n'osent pas franchir le pas. Il y a toujours le tsana, l'attachement, l'interconnexion mercabique avec d'autres véhicules célestes. C'est comme ça, pour certains individus, ça prend des milliards d'années avant de franchir le pas du moksha. Un supraconscient peut-il choisir son incarnation? Non, c'est aléatoire. Par contre, ce que tu peux faire, c'est un peu quand même infléchir ton incarnation, quand tu vas renaître, tu peux doucement revenir vers l'endroit qui te plaît le mieux, ou reprendre contact avec ceux qui ont composé ton ancienne famille. Tu peux faire ça, un supraconscient peut faire ça. Mais après, il y a des mécanismes universels qui ne se contrôlent pas. Ça se fait automatiquement, c'est l'émanation de la substance divine, c'est des mécaniques universelles, et c'est fait comme ça automatiquement. Par contre, on se réincarne sur Terre. C'est aléatoire. Tu peux vivre un coup, tu vas naître en Afrique, un coup, tu vas naître aux USA, c'est aléatoire. Mais par contre, un supraconscient, dès qu'il vit son éveil entre 30 et 40 ans, qu'il récupère son dharma de son incarnation précédente, il arrive à retrouver les gens avec qui il a vécu son incarnation précédente. D'accord. Il va retrouver ses proches, il va retrouver l'endroit où il a vécu, ça oui. Mais après, non, les naissances sont aléatoires. Est-ce que le film Matrix fait référence à la supraconscience et à l'avènement d'un élu? Oui. D'ailleurs, Matrix parle trait pour trait de ce qui est annoncé dans toutes les doctrines à haute intensité spirituelle. Neo, dedans, Keanu Reeves, il joue le Kalki, le destructeur, celui qui va mettre à mal les Amalécites, donc la technologie outrancière. Et Trinity joue Kuan Yin. C'est le personnage féminin de Trinity, oui, c'est Kuan Yin. Et d'ailleurs, dans plein de films, la dyade est toujours respectée, parce que Kuan Yin viendra accompagné d'un Kalki, d'un destructeur, qui aura un peu vocation d'antéchrist. Il arrivera avant elle, il aura une vocation un peu de... pas d'antéchrist, mais il ira combattre le mal, mais par le mal. Donc il va beaucoup faire de mal, quand même. C'est un destructeur. Kalki, dans le Kalki Purana, dans les évangiles hindouistes,
il est présenté vraiment comme un destructeur. Quelqu'un qui arrive sur son cheval blanc pour détruire. Alors, il est censé détruire les méchants. Mais comme tout le monde est méchant, plus ou moins sur la planète, on vit dans un univers où tout le monde renferme un peu de mal. À la fin, son travail, il va le prendre tellement à cœur qu'il va tuer tout le monde. D'accord. Destruction. Quelqu'un vient vraiment pour le mal. Alors que Kuan Yin, qui est porteuse du Kuan, parce que quelqu'un soit porteur du Kuei, de la nocivité, c'est de la dynamique, on appelle ça. Mais par contre, Kuan Yin est conservatrice. Elle viendra pour faire du bien, pour sauver le dernier noyau de survivants de la planète. Elle viendra pour rebâtir une civilisation. Elle n'a pas la même fonction. Elle sera une guerrière, mais elle n'aura pas la même fonction que le Kalki. Le Kalki vient vraiment pour détruire. D'accord. Alors, le Kalki, chez les musulmans, c'est Al-Mahdi. Chez tous les peuples, chacun lui en donnait un nom. Il n'est pas appelé Kalki dans le Coran, il est appelé Al-Mahdi, par exemple. Et Kuan Yin, elle est appelée aussi Avalokiteshvara. Selon le pays, les noms changent. Il faut juste procéder aux conversions linguistiques. Que peux-tu dire sur le fil d'argent ? Le fil d'argent n'existe pas. Le fil d'argent, c'est une métaphore, une allégorie pour parler du canal pranique. Ça n'existe pas. Ce sont des principes issus de la théosophie, de l'anthroposophie, de la gnose moderne, donc des principes liés à Blavatsky, à Steiner ou à Samael Aaron Weor. Donc non, ça n'existe pas. Il y a des guignols là sur YouTube, ils ne parlent que de cordons d'argent, ils ont peur de briser leurs cordons d'argent. Arrêtez vos conneries. Il y a une induction électromagnétique qui parcourt le canal médulaire. C'est cette induction électromagnétique qui part du centre de la Terre, qui est chargé négativement, qui traverse le système cérébrospinal, qui sort par l'occiput et qui va jusque dans l'exosphère, qui monte à 600 km, parce qu'on fait masse avec la Terre entre les deux polarités. C'est ce canal, cette induction électromagnétique qui va être empruntée lorsqu'on fait une décorporation. Mais ce n'est pas un cordon d'argent. Un cordon d'argent, c'est un nom, c'est une allégorie qui a été donnée au 19e siècle, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Et puis ça ne peut pas se briser. L'induction électromagnétique, on ne peut pas la briser. Il n'y a aucun souci, vous ne briserez jamais votre induction électromagnétique. Lors d'une mort violente, passe-t-on directement dans le hack, sans hypnagogie, etc., etc. Tu vas contracter, ça va aller très vite. D'accord. Ton activité neuroélectrique va plonger brutalement, tu vas faire une instase mystique à 3 Hz, tu vas pénétrer dans l'émanation de la substance divine. Ta vie va s'arrêter, l'induction électromagnétique va cesser parce que ton système cérébro-spinal ne va plus produire d'électricité. Ton véhicule céleste va emporter ta psyché, c'est-à-dire tout ce qui te compose en instinctif, émotionnel, analytique et spirituel, et tu vas repartir dans l'antéversus. Et ensuite, au bout d'une cinquantaine de jours, c'est annoncé dans la Kabbale, chez les taoïstes, chez les bouddhistes, chez les hindouistes, c'est à peu près 49 jours, 7 fois 7, tu reviendras sous une forme nouvelle, tu seras réincarné sur la planète. La transe est-elle un moyen d'accéder à la supraconscience ou est-elle juste un phénomène électromagnétique ? Non, la transe chamanique est bloquée entre 7 et 9 Hz. C'est-à-dire, le simple fait de taper sur un tambour va te mettre en auto-hypnose. Tu vas rentrer dans une phase qui s'appelle les ondes alpha. Mais le tambourin et ce lancinement de tambourin t'empêchera d'atteindre les ondes θ. La transe chamanique est bloquée en ondes alpha, faut le savoir. Ce sont des gens, les occidentaux qui se lancent dans le tambourin chamanique, ils n'atteindront jamais autre chose que les ondes alpha. Par contre, un vrai chaman d'Amérique du Sud, ou d'Amérique centrale, ou de Sibérie, ou du Mont Altaï, c'est-à-dire tous les peuples kazakhs, les sibériens, tout ça, ou en Amérique du Sud, les tribus quechua, tout ça, eux savent le faire, mais pas un occidental. Un occidental, c'est folklorique. Je les vois taper, elles sont gentilles, toutes ces dames-là qui font du tambourin, qui font payer des séances. Ça s'apparente pour moi un peu de l'escroquerie, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Elles sont gentilles, toutes ces dames-là, toutes ces chamanes avec leurs tambourins, mais elles le font payer. Des séminaires, elles le font payer des trucs, 120 euros, 150 euros, machin. Pfff. Bon, enfin bref, passons. Et moi, j'apprends ça, c'est comme le Reiki, tout ça, c'est du folklore. Mm-hmm. Voilà, les Occidentaux ne savent pas maîtriser tout ça. Alors tiens, pour le Reiki, je vais faire une précision. J'explique. La glande pinéale fonctionne mieux quand on fait une instase mystique, elle fonctionne mieux quand on est confiné dans une masse minérale. D'ailleurs, les pyramides ont été conçues à cet effet.
entre la 4e et la 8e dynastie, les pyramides étaient des décorporateurs mystiques. On s'en servait parce que ça crée un champ morphogénétique. La configuration pyramidale crée un champ morphogénétique qui facilite, qui crée un vortex électromagnétique avec les ondes telluriques chargées négatives de la Terre, qui crée une polarité dans l'exosphère avec la charge positive. Positive à cause des vents solaires qui sont ionisés positifs. Donc les pyramides, c'est un confinateur minéral en plus parce que la masse minérale, l'imposante masse minérale, favorise l'induction électromagnétique de la glande pinéale. Les cathédrales ont le même effet. Les cathédrales ont été bâties par des compagnons mystiques à une époque. Le point de convergence tellurique se situe à la croisée de la nef et du transept. Vous mettez au milieu, là, ça crée une zone de. Ça favorise l'instase mystique. Mais pas le Reiki, c'est-à-dire des petites pierres que vous allez poser le long de. sur votre troisième œil, je les vois faire. C'est trop petit. Même le quartz, qui a une très forte vibration, qui vibre à 600 000. À une fréquence de 600 000 pulsations minutes, 60 000 pulsations minutes, même le quartz est inopérant, tellement il faut une masse minérale, mais phénoménale, pour créer un champ morphogénétique, ils n'arrivent pas à le comprendre. Dans l'Antiquité, les Égyptiens anciens, qui étaient spécialisés dans la décorporation mystique, ne se seraient pas fait chier à construire des pyramides de 100 mètres. Si des pyramides de 3 mètres étaient suffisantes, et les compagnons mystiques du Moyen-Âge ne se seraient pas fait chier à construire des cathédrales, si trois petites pierres posées sur le corps, c'était suffisant, vous comprenez bien que ça ne marche pas. À Qumran, les Esséniens faisaient pareil dans des grottes. Il faut une très grande masse minérale pour créer un phénomène électromagnétique, un phénomène tellurique. Donc tous ces gens qui se mettent des petites pierres qui mettent de l'orgonite, qui font des petites pyramides, ça ne marche pas, vous comprenez bien que ça ne marche pas. Il faut des centaines de milliers de tonnes de masse minérale pour que ça fonctionne, pour créer un champ morphogénétique, tellurique. Donc tout ce qui est... Moi, pour moi, c'est des ozos, voilà. Enfin, j'en connais, c'est des copains, maintenant je parle avec eux, Reiki par Reiki. Mais moi, ils me font de la peine parce que c'est de la ritualisation. Ils perdent leur temps, leur vie, à se mettre des petites pierres, à faire des petits machins, ça ne sert à rien, s'ils le savaient. Même en feng shui, ça ne sert à rien. Ça va un peu orienter les flux de qui, positif, qui négatif. On va un peu réorienter une pièce en changeant la disposition d'une table ou d'un lit. Mais c'est infime. Le feng shui, vraiment, c'est homéopathique, les effets du feng shui. Mais alors, les effets du Reiki sont ridicules. Ça ne sert à rien. Stopper ça, c'est une invention mercantile. Le Reiki a été conçu par des gens pour gagner du pognon. Tout le monde s'autoproclame Reiki, se fait des bombardes, je suis au 7e degré, je suis au 42e degré. C'est tous des amiraux ou des contre-amiraux, des généraux en Reiki, tous ceinture noire, 7e dame de Reiki. Enfin, vous me faites marrer, parce que si vous saviez comment ça fonctionne, un champ morphogénétique, toutes vos pierres, vous les jetez à la poubelle. Voilà, message est passé. Alors, quand on parle des séphirotes, doit-on connaître des attitudes à avoir à chaque séphira ? Non. Les séphirotes, c'est simple, ça désigne des sphères de conscience. 11 Hertz, c'est Malkout. La première sphère en bas, ce qu'on appelle le royaume, c'est Malkout, c'est 11 Hertz. Et au plus tu descends ton activité neuroélectrique, quand tu vas arriver à Keter, tout en haut de l'arbre séphirotique, c'est 1 Hertz. Tu vas passer par Yesod à 9 Hertz, tu vas passer par Tiferet à 6 Hertz, tu vas passer par Da'at à 4 Hertz, tu vas rentrer ensuite à Keter, à 1 Hertz, tu vas faire ta sublimation des deux polarités. Va apparaître ton Kadmon, ton soi divin. Tu vas être en syntonisation avec le line, avec l'émanation de la substance divine. Voilà, c'est des sphères de conscience, les séphirotes, tout simplement. Est-ce que l'entrée dans l'hypnagogie est douce ou directe et est-ce qu'on s'y attend lorsqu'elle arrive ? L'hypnagogie, il y a deux types d'hypnagogie. L'hypnagogie, elle se situe entre 11 Hz et 6 Hz. La plage de fréquence hypnagogique, elle, c'est 6 Hz, 11 Hz. Elle peut être, cette plage de fréquence, soit angélique, tu ne vas voir que des jolies choses, ou soit démoniaque. Il y a tes névroses, tes frustrations qui vont remonter à la surface, et ton système limbique qui gère l'émotionnel va le traduire en chimère démoniaque. Tu vas avoir des démons, des trucs vraiment vilains. Alors, que ce soit angélique ou démoniaque, une phase hypnagogique, elle ne sert à rien.
Il ne faut pas regarder, il ne faut pas analyser les visualisations, il faut la passer le plus vite possible. Il faut s'efforcer à garder, j'en parle à chaque fois, c'est la technique du miroir. Un miroir en surface, il voit tout, mais il n'imprime rien. Ça veut dire n'analysez pas. Votre phase hypnagogique entre 11 Hz et 6 Hz, ne l'analysez pas. C'est le meilleur moyen de foirer sa séquence supraconsciente. Alors que vous, une séquence angélique, une séquence, une belle séquence hypnagogique, vous allez voler, vous allez passer à travers les murs, vous allez faire des choses qui ne sont pas possibles. Ça va être presque plus que le réel. On appelle ça une réalité augmentée. Les couleurs sont plus vives, les sensations sont amplifiées. Donc on appelle ça le faux éveil. Beaucoup de gens qui vivent une phase hypnagogique angélique entre 6 Hz et 11 Hz pensent qu'ils ont atteint l'éveil. Ils n'ont rien atteint du tout. Ils ont été subjugués par des chimères autogénérées par leur propre système limbique. C'est le faux éveil. Ne vous attardez pas en phase hypnagogique. Le but, c'est d'atteindre 6 Hz, le canal pranique, de parcourir le canal pranique pour faire accélérer votre psyché jusqu'à la vitesse de la lumière, traverser le rideau infrascopique à 3 Hz et rentrer, diluer sa psyché dans l'émanation de la substance divine, ne faire plus qu'un avec l'univers. C'est ça le but de cette discipline. Le samadhi, dans le yoga, les gens ne le savent pas. Il y en a des fois, ils font 20 ans de yoga, et ils le font à une visée physique. Ils veulent être souples. Ils font 20 ans de hatha yoga, ils sont super souples, ils font le grand écart. Ils n'ont pas compris que le but du yoga, les deux buts du yoga, c'est turiya et samadhi. Turiya, c'est l'éveil partiel à 6 Hz d'activité neuroélectrique. Et le samadhi, c'est l'éveil profond à 1 Hz d'activité neuroélectrique. Donc le but le but final, le but ultime du yoga, c'est pas la souplesse, hein. C'est l'instase mystique. Voilà le but des disciplines psychophysiologiques comme le Qigong, le Neidan, le Baguazhang, le yoga, toutes ces disciplines visent l'instase mystique. Alors, lorsque l'on se réveille en paralysie du sommeil en étant lucide, à combien de Hz nous situons-nous ? Non, si tu es lucide, c'est pas une paralysie du sommeil, c'est une catalepsie. C'est pas pareil. Si tu es lucide, que tu as les yeux ouverts et que tu es conscient et que tu es rigidifié, c'est une catalepsie. Ça veut dire que tu baisses ton activité neuroélectrique, mais que tu es encore rempli de peur enfouie. C'est dur à contrôler pour ceux qui sont novices dans ces disciplines. Il y a des choses que tu ne vas pas maîtriser, c'est tes névroses, tes psychoses, tes peurs enfouies, tes frustrations. Avant de faire une belle séquence supraconsciente, on assainit son système limbique, on dépollue sa psyché. C'est en dépolluant sa psyché des cristallisations mentales, donc des névroses, des psychoses, des frustrations, des colères, des rancunes. Une fois qu'on a dépollué son système limbique, là on est prêt à aborder sereinement le yoga ou le qigong. Déjà, moi je le dis dans plusieurs vidéos, avant de pratiquer le yoga, certains ont besoin d'une psychothérapie. C'est tout bête, hein, d'aller voir un psychothérapeute, de défaire les nœuds qui encombrent un peu leur cerveau, de jeter les vieux paquets encombrants, les vieilles rancunes contre le voisin, etc. Une fois qu'on est passé par une psychothérapie, on est dépollué, son système limbique déjà est assaini, et là on peut rentrer faire du yoga. Parce que si on arrive au yoga, qu'on est tout perturbé, le prof de yoga ou la prof de yoga, elle ne va pas aimer, elle va vous faire dégager au bout du troisième cours. Hein. Ça ne se passera pas bien. Non, mais j'en ai vu comme ça. Moi, j'en ai vu rentrer au cours de yoga, c'était des psychotiques. Mmh. Ils croyaient qu'en quelques cours de yoga, ils allaient récupérer leur sérénité. Et ma prof de yoga lui disait, va t'inscrire à une psychothérapie, tu reviens me voir dans un an. Mmh. Et les gars l'écoutaient, ils revenaient au bout d'un an, ils disaient, merci. Mmh. Alors, est-ce que le mot samad, qui veut dire éternel dans la pratique du murakaba, a un rapport avec le mot samadhi chez les bouddhistes? Ouais, ça se peut, je vais t'expliquer pourquoi. En linguistique, la conquête musulmane est allée jusque dans l'Empire moghol, c'est-à-dire ils ont envahi le nord-ouest de l'Inde, le Rajasthan, toute la vallée de l'Indus, tout ça. La civilisation moghole, qui était moitié hindouiste, moitié musulmane, y a des transfuges, on appelle ça des transfuges linguistiques, donc oui, samat. Alors murakaba, c'est une extrapolation de merkaba, hein, le murakaba du soufisme, c'est-à-dire murakaba, qui veut dire en arabe contemplation, fixation, contemplation, concentration, c'est une déformation de merkaba, chariot céleste. Alors la discipline dans
le soufisme, le but, c'est l'anstase mystique, c'est atteindre le Baral d'Allah, la Mourakaba, par la Mourakaba, par la concentration, avec un cheikh, le disciple, atteint le Baral d'Allah, c'est-à-dire l'essence océanique de Dieu. C'est pareil. Donc le Samad, Samadhi, s'il y a un lien linguistique, il vient de l'Empire moghol, à l'époque où l'Inde était sous domination musulmane. Combien de creusets ont les animaux et peut-on fusionner avec eux lors du voyage ? Oui, on peut fusionner avec les animaux, on appelle ça du chamanisme. D'ailleurs, moi, je suis issu d'une lignée de Mazeri. En Corse, le mazérisme, la Corse est le dernier territoire chamanique d'Europe, avec une transition ancestrale qui remonte jusqu'au néolithique. Les Sentinèdes, ça remonte jusqu'aux premières peuplades qui ont habité la Corse. Donc, oui, on peut fusionner avec un animal. Par contre, les animaux ne possèdent que trois creusets, instinctifs, émotionnels, analytiques. Ils n'ont pas de creuset spirituel. Les animaux ne peuvent pas se poser des questions sur Dieu, sur l'éternité, sur l'infini. C'est au-delà de leur champ de conscience, justement, parce que contrairement aux humains, ils n'ont pas le quatrième creuset. Nous, un quatrième creuset, même semi-activé, comme chez tous les humains lambda, ça permet à un humain de se poser des questions sur Dieu, l'infini, l'éternité. C'est hors de portée des animaux, parce qu'ils n'ont que trois creusets, instinctifs, émotionnels, analytiques. Alors, la vidéo sur la Corse chamanique, numéro 47, les Mazeri. Mais les Mazeri, c'est la vidéo 47. J'aborde, c'est-à-dire, les Corses sont les derniers en Europe à faire du voyage astral contrôlé, à faire de la décorporation mystique et des fusions mercabiques avec des animaux. Alors en Corse, les Mazeri sont friands de communion avec les aigles ou les faucons. Ils vont sur le versant ouest du Monte Cinto et ils repèrent un nid d'aigle. Et puis le soir, il fait une fusion mercabique, une fusion chamanique avec l'animal concerné. Alors, la nazification a-t-elle déjà commencé à travers le retour de l'extrême droite et l'élection de Trump aux USA ? Ben, on est en nazification, tu t'en es pas aperçu ? Les gilets jaunes, ça t'a rien dit ? Les gens qui revendiquent pacifiquement pour avoir des sous parce que leur frigo est vide et qu'on leur arrache des mains à la grenade détonante, on leur casse les côtes à la matraque, on leur crève les yeux au flashball LBD. Tu trouves pas que c'est déjà de la nazification d'imposer un masque alors qu'on est soumis à un virus qui tue moins que les années précédentes, qui tue moins que le virus de 2006-2007, qui tue moins que le virus de 2016-2017, qui tue moins que la grippe de 68, qui tue moins que la grippe de 57. Donc tu comprends bien qu'on est dans une ère de nazification. Il faut être aveugle pour pas s'en apercevoir. Et Trump, il fait partie de cette nazification. C'est pas parce qu'il dit combattre le Deep State, donc le Ku Klux Klan et toutes ces sociétés secrètes qui tiennent l'Amérique en sous-main, toute cette extrême droite, c'est pas parce qu'il dit qu'il les combat réellement. Hein. Tous ces consortiums et tous ces conseils d'administration et tous ces hommes politiques mangent ensemble et se font la bise, et on appelle ça un empire synarchique mondial. C'est-à-dire les 300 ou 400 plus gros portefeuilles d'actionnaires de la planète se sont tous coalisés, ils ont monté des consortiums, des cartels d'intérêts, et puis ils se battent contre qui ? Contre le peuple, tout simplement. Avant, il y avait les deux blocs USA, URSS qui s'affrontaient, l'Est et l'Ouest. Maintenant, c'est les nantis qui s'en prennent aux basses classes sociales. Ils ont peur, c'est un problème démographique, les gens sont de plus en plus nombreux sur la planète. Et à cause de la télévision et d'Internet, ils veulent de plus en plus de choses. Ils veulent de l'or, ils veulent des belles voitures, ils veulent de tout. Les femmes veulent des seins en silicone, elles veulent se faire 15 000 euros de réparation chirurgicale sur le visage, elles veulent des jolies gourmettes en or, elles veulent un cabriolet. Et à force de vouloir trop de choses, ben l'élite est en train de s'apercevoir que ces gens créent un danger. Ils se disent, notre place est menacée. Donc ces gens, ils livrent une guerre au peuple actuellement. C'est le peuple les embête. Ils ont peur de se faire attaquer le soir dans leur maison ultra luxueuse, d'avoir affaire à des bandes armées de 100 ou 150 personnes qui font une insurrection comme ça, soudaine. Ils ont peur. Ces gens, ils veulent détruire le peuple. Ils veulent automatiser la société. Vous regardez le projet Atlas Boston Dynamics. Ils veulent des soldats androïdes, humanoïdes,
Ils veulent des serviteurs androïdes humanoïdes. Ils veulent de la gendarmerie, de la police. Regardez le projet Atlas Boston Dynamics. Vous allez voir les capacités des robots androïdes en 2020. Alors, ça vous dira... Vous allez avoir un aperçu de ce que sera le robot Atlas, qui s'appellera Alpha, dans une trentaine, quarantaine d'années. Vous allez voir à quoi vous avez affaire. Le film, justement, parlant de film, La Belle Verte de Colin Serrault, n'est-il pas une apologie de la supraconscience ? Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Là, je connais Colin Serrault, qui a fait des films avec Vincent Lindon. Je connais cette réalisatrice, mais je ne connais pas ce film. Alors, attends. J'arrivais, je vas-y, bouge vas-y. Le ventilo. Alors... Alors, qu'est-ce que c'est quand quelqu'un qui est en grande souffrance de l'ordre du deuil arrive à sortir d'étoiles immenses qui ressemblent à une sorte de cerf-volant cubique ? Oui, c'est vachement mal expliqué. Vous pouvez reformuler, s'il vous plaît. Emmanuel Vital, si, voilà, si la question peut être reformulée, parce que... Voilà. Alors, une question de Yanissa. Que penses-tu des théories conspirationnistes qui disent qu'il y a des bases militaires sur la Lune? Et as-tu déjà visité la surface de la Lune lors de tes sorties astrales? Oui, je suis allé sur la Lune, j'ai visité le cercle polaire arctique, le pôle sud, l'Antarctique, les dunes du Sahara. J'ai perdu beaucoup de temps en phase céleste à visiter la planète et à parcourir l'univers de part en part. C'est une perte de temps, ça aussi je le dis tout le temps, hein. Ne vous laissez pas fasciner par certaines facultés qui sont offertes dans la décorporation. De se balader comme ça, je l'ai fait. Je suis allé me balader au-dessus de l'Amazonie, j'ai traversé le Pacifique et l'Atlantique des milliers de fois, à ras de l'eau, à Mach 4, Mach 5. Voilà, tu t'amuses parce qu'une fois que tu maîtrises le phénomène, que tu sais te servir de ton véhicule céleste, là, tu t'amuses un peu au début. Mais non, mais c'est une perte de temps. Ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait une base militaire... Non, il n'y a pas de base militaire sur la Lune, je te rassure. Le tétralème peut-il être comparé à la pensée trialectique qui transcende la dialectique hergélienne ou encore au trilemme d'Agrippa? Non, le tétralème... déjà, trilemme, ça veut dire 3. Tétra, ça veut dire 4. Faut remettre les choses en place. Tétra, c'est 4. C'est 4 principes. C'est way, wu way, c'est-à-dire c'est être, non-être, ensuite être et non-être fusionnés, et ensuite le dernier, c'est ni être ni non-être. C'est-à-dire c'est pour qualifier Dieu ou les principes abstraits. L'émanation de la substance divine est compréhensible avec le tétralème. Dieu à la fois existe, il n'existe pas, à la fois il existe et il n'existe pas, et à la fois il n'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, il est indéfinissable. On peut saisir certains principes par le tétralème. Mais tétra, ça veut dire 4. Ça ne veut pas dire tri, ça ne veut pas dire 3. Tétra, ça veut dire 4. C'est un principe, le tétralème, c'est une reconfiguration paradoxale de la psyché. C'est-à-dire, apprendre à analyser un sujet sous toutes les coutures. C'est-à-dire, c'est... Enfin, moi, je fonctionne en tétralème, mais j'ai mis plusieurs années à acquérir l'esprit paradoxal. Je suis désolée, mais il y a certaines questions. Il faut que vous les relisiez, que vous reformuliez, parce que il n'y a pas de questions. Je m'excuse, mais... Il faut les appeler, voilà. Ceux-là. Il faut passer aux questions les plus faciles à formuler. Tout à fait. Donc, il faut vraiment que ce soit simple et que ça ne dure pas, qu'il n'y ait pas 3-4 phrases et pas de questions au bout du compte. Voilà, je m'excuse, hein, je vous en informe. Pensez pas que je vous posez passe, mais... Posez une question à la fois et bien formulée. Voilà. Par exemple, tu as dit avoir une configuration mercabique assez rare, en diamant si mes souvenirs sont bons. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus ? Il y a 72 noyaux mercabiques différents. Il y a 64 noyaux standards, on appelle ça les hexagrammes dans le Viking. Et ensuite, il y a 8, on appelle ça les trigrammes, il y a 8 véhicules. Alors, on appelle ça les 64 standards, on appelle ça des Tianlong princiers. Les 8 trigrammes, on appelle ça des Tianlong royaux. Et les 8
Tianlong royaux sont déjà prédisposés à devenir des Tianlong impériaux, des cubes métatroniques, on appelle ça dans la Kabbale. Donc moi, je fais partie de ceux, en étant supraconscient, qui ont un Tianlong royal. C'est-à-dire ma configuration, mon noyau merkabique ressemble à un diamant. On appelle ça un corps de diamant, certains appellent ça le corps de diamant. Mon véhicule, mon Tianlong est très complexe. Alors... Et il tourne très vite. C'est la différence aussi avec les Tianlong princiers qui ont une contrarotation assez lente. Alors qu'un Tianlong royal tourne très vite, il est beaucoup plus volumineux, il est beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus lumineux, et beaucoup plus grand, et il est beaucoup plus complexe au niveau polyédrique. C'est-à-dire l'effet Chladni qui est généré. L'effet Chladni, vous regardez ce que ça veut dire, vous allez sur Google, l'effet Chladni est beaucoup plus important, donc ça forme des structures beaucoup plus complexes. Est-ce que l'accélération de la destruction de notre planète ces dernières années est voulue? Et si oui, qui est derrière tout ça et pourquoi font-ils cela? Le Kuei, c'est-à-dire le bouillonnement mental de l'humain entre 20 et 40 Hz, qui a généré un autre parasite qui s'appelle l'ego. Et l'ego, il a tendance à être égoïste, vaniteux, agressif. C'est le Kuei. Les taoïstes appellent ça le Kuei. C'est-à-dire ce bouillonnement mental de l'ego, les humains ont du mal à le réfréner, et ça crée de la technologie, de la méchanceté, la course au pouvoir, l'argent, le sexe, c'est le Kuei. Ça fait partie, ça accompagne l'intelligence humaine. Alors, en considérant que depuis le néolithique, nous sommes 1 million d'humains à avoir vécu et développé notre quatrième creuset, d'où viennent les 7 autres milliards d'humains ? Alors, je le redis encore une fois, les véhicules célestes dans l'antéversus sont infinis. C'est inquantifiable. Donc, si on avait une planète capable d'accueillir 800 milliards d'êtres, eh bien, il y aurait 800 milliards de Merkaba. Parce qu'il y a un réservoir que les juifs kabbalistes appellent la gouffre, le réservoir d'âme, qui est infini. Alors, il y en a qui disent que le nombre est limité par planète. Ils ont le droit de penser ça. Mais moi, je sais que le nombre est infini dans l'antéversus. Si notre planète était capable d'accueillir 800 milliards d'individus, ben, il y aurait 800 milliards de Merkaba. C'est infini. Tant qu'il y aura des naissances, l'antéversus est capable de générer des Merkaba. Alors, il y a Jean-Philippe Lemaître qui dit que durant ses méditations, il n'arrête pas d'avoir des sursauts et tout le corps saute. Est-ce que c'est une sortie furtive ou un retour? Non, ça s'appelle la myoclonie. Tu fais un spasme myoclonique, c'est-à-dire quand tu médites, le corps, l'hippocampe va envoyer des hormones pour t'endormir. Donc le corps, ton système cérébrospinal va avec ton système endocrinien va envoyer de l'ocytocine, de la dopamine, de la mélatonine pour t'endormir. Mais ta conscience sait qu'elle médite et va avoir un conflit entre ta physiologie qui cherche à s'endormir et ta psyché qui cherche à méditer. Et là, il y a un différentiel qui va se produire, on appelle ça la myoclonie, le spasme myolastique. Tu as l'impression de tomber ou de rater une marche. C'est très désagréable et ça fait cesser l'expérience. Alors, juste pour dire, regardez un peu les lives d'avant et toutes les vidéos, parce qu'il y a énormément de questions qui reviennent sans arrêt. Ouais, je vous le dis, depuis tout le début du live, vous ne posez que des questions qui sont traitées dans les vidéos, en fait. Alors, auquel on a répondu un milliard de fois. Oui, y aura-t-il un reconfinement ou est-ce que si vous parlez trop du futur, ça produira des incidents karmiques? Non, moi je suis personne, je peux pas influencer le karma collectif. Le karma collectif, il est prédéterminé. Donc je suis pas puissant, j'ai pas une puissance avec ma parole et en faisant quelques vidéos pour changer le karma collectif. Non, là, moi j'ai rien à voir avec tout ça. Okay. Il faut bien se dire aussi, il y en a qui s'auto-proclament fakir, médium, reiki, prof de ci, prof de ça. Moi, je suis personne. Moi, je suis un supraconscient. Et je l'explique à chaque fois, la supraconscience appartient à tout le monde. C'est une faculté qui est encodée dans tous les systèmes cérébro-spinaux de tous les humains de la planète. Donc, je suis rien de spécial, moi. Hein. Je suis juste quelqu'un qui a fait preuve de pugnacité, qui est arrivé à maîtriser le processus psychophysiologique de la supraconscience et de l'instance mystique, mais c'est à la portée de tous les humains de la planète. Il n'y a pas de
On ne peut pas dire, oh, moi je suis plus que l'autre, c'est une question de pugnacité en fait. Donc la supraconscience appartient à tous ceux qui se donnent les moyens de l'atteindre. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y aura un nouveau reconfinement ou pas ? Ah ben là, on est parti, on appelle ça des mesures par escalier, c'est-à-dire il va y avoir des mesures, ça va rester comme ça. On va penser qu'on est tranquille, puis d'un coup, on va remonter une marche. Il va y avoir encore des... Et puis, petit à petit, graduellement, ça va se nazifier. D'accord. Donc, les premières mesures, on l'a montré, ça a été les gilets jaunes. L'État a montré qu'il ne fallait pas l'embêter. Hein. Les gilets jaunes, ils se sont fait massacrer. Donc, première mesure, voilà, vous n'êtes pas content, regardez ce qu'on vous fait. Deuxième mesure, c'est les petits masques pour conditionner l'humain à obéir. Parce qu'on sait très bien que le Covid ne nécessite pas un tel déploiement sanitaire. Il n'y a qu'à écouter Laurent Tobiana, un des plus grands épidémiologistes de la planète, ou le professeur Raoult, ou bien d'autres. Le corps médical a monté carrément, s'est coalisé pour dénoncer tous les mensonges du Covid-19. Donc bien entendu, on est dans une nazification qui va s'installer graduellement. Mais vous voyez bien que les humains, ils n'ont rien à dire. Hein. Les mesures, de gré ou de force, elles seront appliquées. Alors, comment lire le Tao Te Ching ? C'est très complexe à lire et j'ai peur en l'étudiant de me noyer dans mes propres cristallisations. Comment tu t'y es pris ? Et comment s'y prendre du coup ? Tu le lis tranquillement. Tu prends des Bristol, un cahier de brouillon. Quand tu as un truc que tu ne comprends pas, tu vas prendre un autre livre. Tu le lis petit à petit. Tu sais combien de temps il faut pour apprendre le Tao Te Ching ? Une vie. C'est-à-dire, moi j'ai commencé à découvrir le Tao Te Ching, j'avais une vingtaine d'années et je suis encore en train de l'étudier. Donc ne te dis pas qu'en 3 semaines, 1 mois, ou 8 mois, ou 1 an, tu vas savoir maîtriser le Tao Te Ching. Faut une vie, faut même plusieurs vies. Ça se travaille d'incarnation en incarnation, le taoïsme. Attends. Pour la télékinésie, qu'en penses-tu ? Et comment expliquer le phénomène ? La télékinésie, c'est pas toi qui va le... C'est-à-dire les effets poltergeist, quand tu es en état de méditation profonde, quand tu arrives à 1 Hz, au monde infrascopique, ton véhicule céleste contrarotatif va tourner au-delà de la vitesse de la lumière. Tu vas rentrer dans le champ tachyonique, dans le champ scalaire. Et là, ce n'est pas toi qui vas créer des effets poltergeist, des portes qui claquent, des murs qui se fendent ou des vitres qui se brisent. Ce n'est pas toi. C'est l'activité de ton véhicule céleste qui va générer des effets poltergeist, des effets télékinésiques. D'ailleurs, je l'évoque ça aussi dans la vidéo, je ne sais plus combien. Les CD. Je cherche. Alors, beaucoup de phénomènes de maison hantée, par exemple, où les gens sont venus, des équipes aux USA ou en Russie, avec des capteurs de présence, avec des appareils photo, des vidéos infrarouges, etc. On constatait qu'il se passe des choses parfois dans des endroits. Ils se disent, tiens, ça c'est bizarre. En fait, c'est que dans le secteur, dans le quartier, il y a une supraconscience de très haut niveau. Et que par moment, quand il fait ses accès infrascopiques, qui passent en dessous d'un hertz, que son véhicule céleste est en mode infrascopique, c'est là qu'arrivent des effets poltergeist. Donc les gens ont très peur parce qu'ils pensent qu'ils ont affaire à des démons ou des fantômes. C'est juste que dans le quartier, il y a un supraconscient de très haut niveau. La vidéo numéro 20 pour les CD. Voilà, là c'est détaillé dans la vidéo numéro 20. Calme-toi, Apollo. Alors bonsoir, comment aider les enfants dans la démarche de la supraconscience ? Non, on ne fait pas les enfants dans la supraconscience, les enfants les laissent dans le monde de l'enfance. J'ai expliqué en début de vidéo que les disciplines psychophysiologiques, on les démarre à peu près une trentaine d'années. Les enfants, il faut leur laisser faire leur processus normal d'enfant, on ne les plonge pas dans la supraconscience. Ils vont avoir peur en hypnagogie, ils vont avoir peur au luminique, ils vont avoir peur à Da'at, on ne met pas des enfants là-dedans. Est-ce que la bipolarité empêche l'accès à la supraconscience ? Peut-être. Je ne sais pas, là je ne suis pas psychiatre, peut-être. Je sais que les autistes Asperger sont favorisés par rapport au fonctionnement cérébral, parce qu'ils fonctionnent à basse fréquence neuroélectrique avec les deux lobes synchronisés, ça favorise. Maintenant, bipolaire ou schizophrène, ou je ne sais pas, là je ne peux pas te dire. Je pense qu'ils auront un petit peu plus de mal, mais... S'ils arrivent à intégrer les techniques psychophysiologiques, le contrôle respiratoire, la vacuité cérébrale, je pense qu'ils peuvent y arriver aussi. Hein. Alors, il y a des personnes qui disent avoir guéri de maladies graves grâce au Falun Gong. Falun Gong, c'est Maître Liangzi. C'est bien, moi je l'ai étudié pendant 2 ou 3 ans.
C'est très très proche du tai chi ou du qigong. Est-ce que c'est possible de guérir de maladies graves? Non, non. Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas trop écouter les bobards. On peut rééquilibrer ses énergies, sa circulation d'énergie. On peut combattre des petites pathologies. On peut réguler certains organes internes. On peut faire plein de choses avec la supraconscience, mais on ne peut pas guérir d'un cancer stade 4 ou de quelque chose de très très grave. Ce n'est pas de la magie, enfin, ce n'est pas Merlin l'Enchanteur, vous ne croyez pas ça. Par contre, c'est préventif. Quelqu'un qui fait de la supraconscience régulièrement, un yogi de très haut niveau, un prof de Qigong ou un kabbaliste de très haut niveau, va ralentir le processus de vieillissement, il va avoir des organes internes en meilleure santé, mais il ne faut pas croire non plus... On n'est pas au pays de Harry Potter. Hein. D'ailleurs, tu ne fais pas 73 ans, toi. Je ne les fais pas, t'as vu. Mais c'est bien le Falun Gong, par contre, parce que Maître Liangzi, je reviens deux secondes là-dessus, c'est la voie bouddhiste du tai chi. Le tai chi est taoïste, donc réguler ses énergies internes, monter de creuset en creuset, savoir se servir de son tianlong, de son véhicule céleste. Et là, c'est une approche, on ne dit pas dans le Falun Gong, on ne va pas parler de Tianlong, on va parler de Vahana, on va parler de véhicule céleste aussi, mais c'est la voie bouddhiste. Le Falun Gong, c'est la voie bouddhiste de la décorporation mystique. Alors que le Tianlong, la voie du Tianlong, c'est la voie taoïste. Mais c'est bien, Maître Liangzi, le Falun Gong est une bonne voie pour atteindre l'anstase. Alors, est-ce que tu as déjà essayé la méthode de respiration Wim Hof ? Non. Non, moi je travaille en classique, respiration abdominale et respiration inversée taoïste. Je creuse à l'inspire. Je sais me servir de la respiration abdominale, intercostale, claviculaire, la respiration inversée. Moi, ça fait 21, 22 ans que je pratique le contrôle respiratoire. Mais après, les autres petites techniques parallèles, je ne les connais pas parce qu'elles ne servent à rien. Que penses-tu de l'alimentation? Est-ce que ça peut nous aider à accéder à la supraconscience, par exemple, les végétariens ou... Moi, je ne pratique pas tout ça. Moi, je mange de la viande. Je mange pas trop de viande rouge, par exemple. J'évite la viande rouge. Je vais manger plus du poulet ou de la viande blanche. Je bois pas d'alcool. Je fume des cigarettes, mais je bois pas d'alcool. Donc déjà, sans boire d'alcool et en évitant les viandes rouges, bah, je me sens bien, quoi. Je fais 74 ou 75 kilos, je ne suis pas obèse, je ne suis pas maigre, je me sens bien dans mes baskets, ça me suffit. Maintenant, de me mettre au végétarisme, non, ça ne me dit rien. Quand on n'est pas habitué de naissance à vivre d'une certaine manière, se mettre à devenir végétarien à 30 ans, 40 ans ou 50 ans, vous allez faire plus de mal à votre organisme qu'autre chose. Et ça ne t'empêche pas d'être supraconscient? Ben ah, pas du tout. C'est psychophysiologique. C'est dompter ta psyché, la supraconscience. Mais c'est pas dompter ton alimentation. On s'en fout. Ah, par contre, moi, je déconseille l'alcool, la drogue. Je déconseille les trucs basiques, quoi. Je déconseille de manger trop de viande rouge parce que c'est pas bon. Il y a beaucoup de toxines. Mais si vous mangez équilibré, que vous mangez des fruits, des légumes, de la viande blanche, que vous buvez pas d'alcool, déjà c'est bien. Sous dépression et donc sous médoc. Qui joue sur le cerveau, est-ce que cela peut... Ça empêche, peut empêcher, voilà. Je l'ai dit à 15-20 minutes. On fait une psychothérapie avant de se lancer dans des disciplines psychophysiologiques. Ma prof de yoga, quand elle voyait arriver des gens sous cachet ou sous alcool, ou des dépressions nerveuses, ou des gens comme ça, elle leur disait, je ne peux pas vous donner des cours de yoga. Allez voir votre médecin traitant, faites-vous orienter vers un psychothérapeute, ou un psychologue, ou un psychiatre, et revenez me voir quand vous avez votre système limbique dépollué de tous vos problèmes. Et là, vous pouvez rentrer dans une discipline psychophysiologique. On ne rentre pas au yoga en pleine dépression nerveuse. On passe par un psychothérapeute. Alors, je fais une parenthèse aussi. Je reçois des centaines de demandes de cours. Je ne donne pas de cours. Je ne suis pas un prof de yoga, je ne suis pas un prof de Qigong. Je ne monnaie pas la supraconscience, je ne fais rien payer. Moi, je fais des prestations, c'est gratuit. Et je ne donne pas de cours ni privé ni collectif. Donc, tous ces gens qui me proposent 200 euros de l'heure, 150 euros de l'heure, des prix faramineux pour donner des cours, qui sont prêts à faire 500 km en voiture et pour passer un après-midi avec moi pour me donner des sous pour des cours, je ne le fais pas. Je ne suis pas un prof de yoga, je ne suis pas un prof de Qigong. Moi, je fais découvrir les disciplines psychophysiologiques. Mais si vous voulez apprendre le contrôle respiratoire, la décontraction musculaire,
la vacuité cérébrale et la gestion de la peur, il faut passer par un professionnel. Faites comme moi. Moi, j'ai pris des cours de yoga pendant des années et des années. Je ne suis pas prof. Donc, arrêtez de me demander des cours, machin, je te paye, je viens, je te paye un séjour. Ça va loin. On me fait des propositions qui vont loin. Je suis pas, je monnaie pas. Je ne monnaie pas la spiritualité. Je fais des vidéos, gracieusement, je vous fais découvrir la supraconscience, l'anstase mystique, les voies à haute intensité spirituelle, mais mon rôle, il se cantonne à ça. Je suis un prof de rien du tout, moi. Comment les familles des hautes élites s'y prennent pour se réincarner toujours dans les mêmes familles et ainsi conserver leur pouvoir ? Non, mais ça, tu l'as rêvé, ça. Ouais, voilà. Non, non, ça ne passe... Non. Je l'ai expliqué il y a une trentaine de minutes. Les naissances sont aléatoires. Par contre, un supraconscient de haut niveau, comme il connaît la chaîne d'incarnation précédente qu'il a vécue, il sait se rapprocher pendant la nouvelle vie qu'il est en train de vivre, il sait se rapprocher de ses anciennes, c'est-à-dire il saura se rapprocher de qui a été son frère, son père, son ex-femme. Ça, c'est possible. Mais de choisir son lieu et sa date de naissance, ça, t'es en train de rêver, mon ami. Il y a des lois qui dépassent la volonté des humains dans l'univers. C'est l'émanation de la substance divine qui régit tout ça. Il y a des lois fondamentales qui régissent l'univers et on ne te demande pas ton avis. Tu es un pauvre humain à quatre creusets insignifiant dans l'univers. Est-il possible qu'un supraconscient de haut niveau puisse causer volontairement un AVC sur un individu ? Oui, mais j'en parle régulièrement, bien entendu. Il y a un phénomène dans les séquences supraconscientes qui s'appelle la communion merkabique. Vous pouvez fusionner votre propre véhicule céleste avec celui d'un autre individu. Sur la planète, un homme, une femme, un animal et un exoplanétaire. Sur le canal pranique, vous pouvez fusionner avec un être qui vit dans une autre galaxie, un être à quatre creusets. Vous pouvez le faire. Alors, il y a deux manières de le faire. Il y a la manière tantrique, c'est-à-dire un supraconscient de haut niveau peut faire l'amour avec une supraconsciente de haut niveau. On peut le faire de deux manières biologiques. Il va faire un demi-lotus, ils vont faire une position comme dans le Kama Sutra, ils vont se mettre ventre contre ventre, ils vont se mettre en tailleur. Bon, c'est la position la plus qui favorise le mieux l'anstase. Et au moment, en retenant son orgasme, au moment où on est en train de faire l'amour, on part les deux supraconscients partent sur le canal pranique et ils fusionnent leurs deux véhicules célestes. On appelle ça une union tantrique, c'est le tantrisme. Mais cette faculté peut être détournée pour mettre fin au jour d'un individu, on peut le tuer en lui déclenchant un AVC. Le plus facile, c'est de lui bloquer le diaphragme, vous lui créez une paralysie du diaphragme. Parce que comme vous contrôlez son activité neuroélectrique momentanément, pendant la communion merkabique, en lui paralysant le diaphragme, vous le tuez par suffocation. Mais volontairement ? Bien entendu. Le gars va pour le tuer. J'ai dit qu'il y a deux manières de l'utiliser, ouais, le bon et le mauvais. On peut l'utiliser pour faire l'amour. Mmh. On prend un partenaire, on fait l'amour. Mmh. On prend une femme supraconsciente, on fait l'amour. On se rejoint sur le canal pranique, on fusionne ces deux véhicules célestes. Mais on peut faire une fusion intrusive. On choisit une cible, quelqu'un qui ne nous plaît pas, on fusionne et on le tue. Volontairement, si on le tue, c'est qu'on veut le tuer, c'est volontaire. J'ai compris. On lui paralyse le diaphragme, c'est la manière la plus facile pour un supraconscient de tuer un individu. On lui paralyse le diaphragme, le muscle ne va plus fonctionner, ça va plus, il va plus descendre, il va plus augmenter, il va plus faire fonctionner les poumons. Le mec meurt par suffocation, il meurt étouffé. Ils n'auraient pas pu faire ça pour JFK, ça aurait éludé tous les problèmes. Ah ben ceux qui ont voulu tuer JFK, c'était peut-être pas des supraconscients, hein. Est-ce qu'on est obligé de passer... Après, j'explique. Hein. C'est pas parce que vous pouvez le faire que vous êtes obligé de le faire. Ah oui, oui. Avant la faculté de le faire, le Yuan-Ki vous fait voir le prix à payer. Mm. Si vous usez de pouvoir comme ça, il y a un prix à payer. Il y a un prix d'action-réaction, de karma, ça va vous revenir dans la gueule. Je le dis. De tuer quelqu'un, d'user de sidi noirs, c'est des sidi noirs, ça s'appelle des facultés supranormales occultes. De se servir de ces facultés pour mettre fin au jour de quelqu'un, vous allez payer le coup. Vous allez passer à la douane un jour. Ça va se retourner contre vous. Il ne faut pas le faire, ça. Par contre, une union tantrique, vous pouvez le faire. Aller faire l'amour sur le canal pranique avec un partenaire, il n'y a rien de mieux au monde. Hein, c'est le top. Hein. Faites l'amour à la fois physiquement et éthériquement. S'il n'y a rien de mieux au monde. Je conseille plus d'aller faire l'amour sur le canal pranique que d'aller tuer un ennemi. C'est clair. Là, il n'y a pas de conséquences, du coup. Non, à part du bien-être.
Est-on obligé de passer par toute la littérature des sciences spirituelles pour faire samadhi ? Ça aide. Ça aide parce que ça assainit le système limbique. Ça dépollue le système limbique. C'est mieux de lire le Tao Te Ching que Picsou Magazine. Ça permet de comprendre aussi ce qui t'arrive après coup, quoi. Bon coup. L'instase mystique est-elle la condition absolue pour évoluer au fil des vies ? L'instase est le but de la vie. Et le moksha est le but de l'existence. Le but ultime de la vie, c'est l'instase, c'est le samadhi. Et le but ultime de l'existence, c'est le moksha, c'est la dissolution définitive au cœur de l'émanation de la substance divine. C'est ne faire plus qu'un avec l'univers, retourner à la source. Il faut savoir que le yuan qi, l'émanation de la substance divine, est l'élément qui soutient l'infrastructure de notre réalité. C'est l'émanation qui nourrit nos quarks au niveau infrascopique, c'est-à-dire un niveau plus petit que le niveau subatomique. Du coup, comment tu décris une instase ? Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, qui te dit, en soi, une instase mystique, c'est un peu comme un zoom des zooms, quasi infini et partout à la fois, c'est ça ? Voilà, tu as tout compris. Voilà, c'était pour ça. Tu te retrouves partout dans l'univers, à toutes les époques du passé, du présent et du futur, parce que nous vivons dans un univers bloc, avec un futur prédéterminé. Donc tu te retrouves partout dans l'univers, à toutes les époques, passé, présent, futur, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est une dissolution dans l'émanation de la substance divine. Je ne vais pas refaire le coup du déacoudre H2O qui se recombine avec H2O. Vous n'avez qu'à regarder les autres vidéos. Je l'explique en long, en large, en travers. Qu'est-ce que tu ressens quand tu as un autre supraconscient dans ton champ aurique ? On le ressent, ouais. Qu'est-ce que tu ressens ? C'est quoi que tu ressens ? On s'interconnecte de suite. Ah, son instinctif se connecte avec mon instinctif, son émotionnel se connecte avec mon émotionnel, son analytique avec mon analytique, son spirituel avec mon spirituel. Les deux champs de Merkabik se croisent, sont interfusionnés, donc Mais comme les supraconsciences sont standardisées, hein, quand on atteint la supraconscience, un supraconscient, il n'y a rien de plus qui ressemble à un supraconscient qu'un autre supraconscient. D'accord. Ok. Alors, tu dis que chakra et creuset signifient la même chose. On parle souvent de 7 chakras. D'où viennent les 3 de trop par rapport à 4 creusets ? Alors, je t'explique pour la 98 millième fois. Il y a 7 chakras et 4 creusets. Alors, je vais partir des creusets taoïstes, dans le thorax, dans le bassin sacrum, premier creuset. Thorax, deuxième creuset. Alors, premier creuset, sacrum, bassin, c'est instinctif. Premier creuset. Deuxième creuset, dans le thorax, creuset émotionnel. Troisième creuset, analytique dans le crâne. Quatrième creuset, le Sahasrara ou le Lushnisha chez les bouddhistes, ou le Zenzu chez les taoïstes, ou Keter, sphère Aya chez les juifs kabbalistes, c'est le quatrième creuset. Tout ce qu'ils ont fait simplement, les hindouistes, ils ont rajouté 3 creusets intermédiaires entre les 4 creusets principaux. Pourquoi ? Parce que dans le taoïsme, les 3 creusets intermédiaires hindouistes ne sont pas considérés comme des creusets. Un creuset, pour avoir la dénomination creuset, c'est bassin, thorax, crâne et au-dessus du crâne. Les creusets intermédiaires sont appelés des méridiens dans le taoïsme, parce qu'ils font la taille d'une noix. C'est-à-dire, un creuset fait la taille d'un pamplemousse. La radiance éthérique d'un creuset, c'est la taille d'un pamplemousse, d'une grosse orange. Alors que ceux qu'ils ont compté, les hindouistes, comme des creusets, ne sont pas comptabilisés comme des creusets dans le taoïsme, parce qu'ils sont trop petits, ils ont la taille d'une noix. Ils appellent ça les méridiens intermédiaires. Ce n'est pas des creusets, ce n'est pas des diantans, ce sont des méridiens. Donc la différence entre le taoïsme, 4 creusets, tu le vois, je me mets debout. Tu vois bien que le bassin, c'est une demi-sphère osseuse. Elle entoure le premier creuset instinctif. Tu vois bien que le thorax, c'est une sphère ajourée. Elle entoure le deuxième creuset émotionnel, au plexus. Tu vois bien que le crâne, c'est une sphère osseuse qui entoure la glande pinéale et la radiance de la glande pinéale. On ne peut pas compter, les hindouistes, les taoïstes ne comptent pas le chakra de la gorge et les chakras intermédiaires. C'est tout simple parce qu'ils sont trop petits. Les taoïstes les classent en méridien, la taille d'une noix, et pas en creuset. Alors on parle de 7 chakras et on parle de 4 creusets chez les taoïstes, parce que les 3 creusets intermédiaires, ils ne les comptent pas, tout simplement. Ils sont comptabilisés, hein. Tu vas dans le taoïsme, tu verras, ils sont comptabilisés, mais ils ne sont pas appelés ni chakras ni creusets, ils sont appelés méridiens. Ils sont tout petits.
Les taoïstes ont fait du, les hindouistes ont fait du zèle. Ils ont voulu vraiment mettre tous les creusets intermédiaires. C'est du zèle. Mais en fait, ça sert à rien parce que j'entends perpétuellement sur Internet et sur YouTube des gogos, des pseudo-médiums, profs de je sais pas quoi, autoproclamés, qui disent « Nous allons travailler sur nos chakras ». On ne peut pas travailler sur les chakras, ni sur les méridiens, ni sur les creusets, ni rien du tout. On peut travailler uniquement sa vacuité cérébrale. Quand on médite, on baisse son activité neuroélectrique et la kundalini monte automatiquement. On ne peut pas travailler... Vous pouvez parler à votre creuset à longueur de journée, faire ce que vous voulez. C'est pas comme ça que ça marche. Alors tous ces gugus qui disent qu'il faut travailler sur les creusets, quand vous tombez sur quelqu'un qui dit ça, vous zappez, parce que c'est de la merde. On peut travailler uniquement sa vacuité cérébrale. Au plus vous baissez votre activité neuroélectrique, au plus la kundalini va monter de creuset en creuset. Voilà comment ça fonctionne. Si tu avais un message à transmettre à l'humanité après toutes ces expériences d'émanation avec la substance divine, que serait-il ? Aller vers la supraconscience. J'ai fait ma dernière publication Facebook où j'explique ça. Des gens me disent à moi, ah, qu'est-ce qu'on doit faire ? On descend dans la rue, on casse tout, on renverse le gouvernement. Non. Restez chez vous, méditez, activez votre quatrième creuset et forcez-vous d'atteindre la supraconscience à 6 Hz. Les plus chanceux atteindront 1 Hz, l'instase mystique. Et là, vous saurez exactement ce que vous devez faire parce que vous allez rencontrer l'adéquacité, la quiddité. Vous saurez exactement l'émanation de la substance divine, vous dira quoi faire au moment précis où vous devez le faire. Vous rentrez dans l'adéquacité. Donc, j'ai pas de conseil à donner à part aller vers la supraconscience, activer votre quatrième creuset, activer votre glande pinéale, déjà votre troisième creuset analytique. Et une fois que votre glande pinéale sera activée, vous activerez votre quatrième creuset. Vous rentrerez dans le monde infrascopique. Alors le monde infrascopique, c'est l'univers tachyonique, on appelle ça aussi l'univers supralumineux. C'est le yuan qi, c'est le prana, vous ne faites plus qu'un avec la matière qui nourrit les quarks, les atomes, les éléments subatomiques. Il y a trois éléments principaux dans l'univers, c'est les protons, les leptons et les photons. Ben, l'émanation de la substance divine, les tachyons, nourrissent ces trois éléments. Alors, peut-on se réincarner simultanément à plusieurs époques vu que le temps n'existe pas ? Non, ça c'est baliverne du New Age. Nous vivons dans des instants T. Tu vis d'incarnation en incarnation, des instants T, tu as un moment précis, un espace-temps précis. Il n'y a pas d'univers alternatif déjà à ça. Arrêtez de croire à ça, il n'y a pas de monde parallèle. Il n'y en a qu'un seul de monde parallèle, c'est l'antéversus. C'est le dans l'univers Janus qui est décrit par Jean-Pierre Petit, ou chez Andrei Sakharov, on appelle ça un univers bimétrique à flux temporel bilatéral. C'est très bien décrit, l'univers bimétrique d'Andrei Sakharov. Il n'y a qu'une seule réalité, il n'y a pas de futur alternatif, il n'y a pas de vie alternative, et on vit un instant T. Par contre, tu as le loisir en état de supraconscience de voir tes vies antérieures et de visualiser tes vies futures. Ça, oui. Mais tu ne peux pas les vivre toutes en même temps. C'est un cancer, le New Age. Le New Age, c'est un cancer spirituel. D'avoir injecté autant de fausseté, parce que tous les gugus là, qui mettent leur petit grain de sel en inventant chaque fois un livre où ils inventent un concept faussé, ça crée des voies pernicieuses. Ne sortez pas du taoïsme, du bouddhisme, de l'hindouisme, de la kabbale juive, du soufisme, de la doctrine zen, du culte raosiriaque. Ne sortez pas de ça. Ce sont des voies orthodoxes, ce sont des voies canoniques. Tous les autres trucs, ben, malheureusement, tout ce qui tombe dans le New Age, c'est-à-dire théosophique, anthroposophique, gnostique moderne, c'est de la merde en sachet. Connaissez-vous le procédé d'Hemi-Sync de Robert Monroe pour faire baisser la fréquence des ondes cérébrales ? Et pourrait-il être utile pour réaliser l'instant mystique ? Je le répète encore une fois, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Toutes les techniques ont été élaborées depuis l'Antiquité. C'est-à-dire les Wendayer et les je sais pas qui, là, tout ça, ne vous occupez pas de ça. Tout a été dit dans les sutras, dans la Bhagavad Gita, dans les Upanishads, dans le Tao Te Ching, dans le Yi Ching. Tout a été dit depuis plusieurs milliers d'années. Toutes les autres choses qui sortent d'année en année, de génération en génération, s'appellent des bonbons ressucés. Allez directement vers les textes canoniques. Tout est donné. Le mode d'emploi de la supraconscience est donné dans les textes canoniques. Toutes les voies ésotériques le donnent. Dans le soufisme, la kabbale, l'hindouisme, le taoïsme, le bouddhisme vajrayana, le bouddhisme madhyamaka.
Qu'est-ce que vous allez foutre avec des gens comme ça, faire des bonbons ressucés avec des gens qui n'ont même pas compris comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue chamanique lors d'une dépression? Un rapport avec nos vies passées? Une dépression chamanique? Ouais. Ah, j'ai jamais entendu ça de ma vie. La dépression chamanique, il faut déjà expliquer moi ce que ça veut dire. Non, si. Non, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là quand on fait une dépression? Quand on est en dépression et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça a à voir avec le chamanisme? Ben, je sais pas. Et est-ce qu'y a-t-il un rapport avec nos vies passées? Voilà la question. Ben, reformule, parce que j'arrive pas à comprendre le lien qu'il y a entre le chamanisme et la dépression. Alors... Attends. Est-ce que l'intuition est la plus grande ouverture spirituelle? Non, l'intuition, c'est un sidi. Tu ramènes d'une anastase mystique un sidi qui s'appelle l'intuition exacerbée. Voilà, tu vas savoir intuitivement le vrai du faux, les gens menteurs, les gens francs. Tu vas le sentir instinctivement. Tu en ramènes l'intuition exacerbée. C'est une faculté supranormale qui s'acquiert, qu'on récupère dès la première anastase mystique. L'hexagramme de naissance a-t-il une influence sur la personnalité? Oui. Et si possible, que pouvez-vous dire sur l'hexagramme 16, l'enthousiasme? Déjà, qu'est-ce qui te fait dire que tu es lié à cet hexagramme en particulier? Seul un supraconscient de très haut niveau peut savoir à quel hexagramme il est lié. Qu'est-ce qui te fait penser? Est-ce que c'est juste t'as fait plouf plouf? Ou est-ce que le signe te plaît plus que les autres? Qu'est-ce qui te fait penser que tu es rattaché à cet hexagramme en particulier? Alors, en fait, pour vous dire, je suis aux questions d'il y a une heure en arrière. Donc, en fait, tout ce qu'a dit Jean-Paul jusqu'à maintenant... vous avez les réponses à vos questions au fur et à mesure de ses interventions. Donc c'est pour ça que je passe. Hein, je suis pas en train de, voilà, entre vos conversations entre vous qui sont très bien, plus les mots questions mais qui ont été répondus. Bref, donc je suis à une heure en arrière pour vous dire. Alors ce que je vais faire, je vais aller directement en bas. Comme ça, je vais remonter parce que ça va être plus simple parce qu'on est vraiment en décalé. Vraiment, vraiment. Voilà. N'oubliez pas hein, le mot question devant ou la lettre Q devant vos questions. Alors, est-il possible, étant enfant, de... on l'a répondu, donc vous voyez, je lis, mais... Alors, qu'y a-t-il après le quark? Après le quark, il y a l'émanation de la substance divine. C'est-à-dire, il y a le niveau organique. Il y a le niveau moléculaire, il y a le niveau atomique, il y a le niveau subatomique et il y a le niveau infrascopique. Infrascopique, on arrive au tachyon. Et un tachyon, c'est un million de fois plus petit qu'un quark. Donc il faut des quantums, beaucoup de tachyons, des quantums, des paquets, pour faire créer des flocons. Et ces flocons vont nourrir les quarks au niveau subatomique. Et ensuite, on refait encore du niveau... infrascopique, on passe à subatomique, subatomique à atomique, atomique à moléculaire et moléculaire à organique. Alors, que signifie le chiffre 66? J'ai ce chiffre en synchronicité. Ben, il n'y a que toi qui peux le savoir, parce que les synchronicités sont subjectives, elles ne s'adressent que à la personne concernée. Donc, il n'y a que toi qui peux le savoir, là. Alors, je saurais te le dire s'il y en avait trois, parce que, par exemple... Les suites de chiffres dans le Yi Qing, chez les taoïstes, on marche en triplette. C'est-à-dire, moi, je saurais te dire ce qu'est 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3, 4-4-4, 5-5-5. Pareil que chez les juifs kabbalistes, ça marche 3-3. Pareil que dans les sociétés secrètes, chez les rosicruciens ou chez les francs-maçons, ça marche tout par 3, c'est des suites de chiffres. Mais des doublettes comme ça, ça ne me dit rien. 66, il n'y a que toi qui peux le savoir, là. Essaye de voir... Quand tu vois ce chiffre, qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vis? Si c'est agréable, désagréable? Et tu auras tes réponses. Les enfants moines sont des supraconscients ou pas? Car les enfants moines sont des novices. D'accord. Alors au Tibet ou en Inde ou dans le taoïsme, quand il y a des enfants moines, on ne les forme pas à être supraconscients. On leur fait faire le tenzon, on leur fait faire la cuisine, on leur fait nettoyer les baraquements, on leur fait préparer l'encens, on leur fait faire tout un tas de tâches du quotidien, mais ils ne participent pas à la supraconscience. Leur but n'est pas d'atteindre à cet âge-là ni Turiya ni le Samadhi. On,
on devient bon et on commence à rentrer dans des disciplines psychophysiologiques à partir d'une trentaine d'années. Le noviciat, quand on est novice, comme ça, on participe aux tâches du monastère. Les hauts potentiels ont-ils un quatrième creuset plus développé ? Les HPI, la plupart du temps, sont autistes Asperger. Alors, on peut être HPI sans être autiste Asperger, mais c'est rare. Donc, en principe, si tu es HPI, c'est que tu es autiste Asperger. As-tu des connaissances qui ont le même niveau de connaissances ou plus que toi ? Et serait-il possible de les inviter sur la chaîne comme, par exemple, Mouton ? Oui, j'ai des gens qui sont autant qualifiés et j'en connais d'autres qui sont plus qualifiés que moi, bien sûr. Moi, je suis un jeune, tu crois conscient. Moi, j'ai 53 ans, je fais ça depuis 2003-2004. Je suis un jeune supraconscient. Je fréquente, par exemple, un supraconscient qui a plus de 70 ans, qui fait ça depuis une quarantaine d'années, 40-45 ans. Et il est bien plus affûté que moi sur certains domaines, bien entendu. Et pourquoi certains ne veulent pas venir ? Parce qu'ils ont envie de préserver l'anonymat. Donc, certaines personnes ne viendront pas témoigner. Ils le gardent pour eux, ça. Moi, je fais partie de ceux qui développent ma discipline, mais il y en a qui le gardent pour eux. Justement, est-ce que tu peux citer des noms de supraconscients ? Non, ça se dit pas. Ça se fait pas. D'accord. Voilà, donc vous avez la réponse à vos questions. Du coup, c'est bien parce que comme c'est un... Par contre, je peux te citer tous ceux qui... Ne le sont pas. Qui ne le sont pas et qui usurpent le titre. Il y en a plein. Là, je peux t'en citer, il y a une liste comme ça. Alors, il y a une question. Ça sert à quoi d'aller lire des textes canoniques sans le SOD ? On peut... Il est écrit canonique. Oui, mais il s'est trompé, c'est canonique. On peut passer une vie sans rien acquérir ? Ouais, si tu as envie de rester à ton niveau, ben, tu lis pas, tu lis Picsou Magazine, tu vois les Marseillais à Cancun, et puis tu es bien dans ta vie. Mais les imbéciles russes se posent pas de questions, ils sont bien. Donc du coup, à quoi ça sert d'aller lire les textes canoniques ? Déjà, mille fois, ça reconfigure la psyché. C'est une reconfiguration de psyché. Tu reconfigures ton système reptilien, ton système limbique, ton cortex et ton néocortex. C'est une reconfiguration de psyché. Si tu lis des livres sains et appropriés, tu auras une psyché saine et appropriée aux disciplines psychophysiologiques. Si tu lis Picsou Magazine, tu n'arriveras à rien. Il existe encore Picsou Magazine ? Je ne sais pas. Non, je dis ça parce que des fois, quand je parle avec des gens, ils me sortent des concepts. Et c'est tellement con comme une enclume que je me dis, putain, ça sort de Picsou Magazine. Mais j'adore parce que c'était notre époque, ça. Alors, que penses-tu de l'inversion des valeurs masculines et féminines que l'on vit aujourd'hui ? Non, on n'est pas en train d'inverser les valeurs, on est en train de les homogénéiser. Les femmes deviennent de plus en plus masculines et les hommes deviennent de plus en plus efféminés. Il y a une homogénéisation des genres, mais il n'y a pas une inversion de polarité. Quand vous posez des questions, excusez-moi, mais formulez bien votre question, parce que des fois, ce ne sont que des phrases. Je m'excuse, mais il n'y a pas de questions, des fois. Ben oui, mais je le dis parce que je crois que je l'ai vu déjà une fois. Donc, alors, pendant un jeûne long, éventuellement 39 jours, la dernière semaine, les minutes paraissaient des heures et j'arrivais à ressentir les niveaux énergétiques de chaque chose. Sauriez-vous me dire ce que c'était ? Ben déjà, je te le déconseille parce que 39 jours, c'est une mortification. On n'appelle pas ça là, un jeûne, c'est une mortification. Tu rentres dans la mortification. Donc, je te le déconseille. Tu peux faire des jeûnes partiels ou des jeûnes un peu durs, mais 3, 4 jours, 5 jours, mais pas 40 jours, si on rentre dans la mortification. Alors, tant qu'à faire, prends un fouet, fouette-toi le dos. Non, ça c'est... Il y a une différence entre pratiquer une discipline psychophysiologique, faire de l'ascèse, avoir une vie saine, et les mortifications. Là, t'es rentré dans les mortifications, mon ami. Arrête. Tu sais que Bouddha, quand tu étudies la vie de Bouddha, à 30 ans, bon, il quitte le... C'était un guerrier, une kshatriya, un guerrier d'élite, un quatre fractaires. Quand il quitte sa vie de guerrier, la première erreur qu'il connaît, c'est de fréquenter des sannyasins. Ça, c'est des faits ? Non. Alors, les sannyasins, c'était des renonçants. Ils fréquentent trois renonçants qui lui apprennent les mortifications. Alors, il se met au bord du Gange, ou c'était à Bénarès, ou je ne sais pas où il était, et puis il ne mange plus, boit plus. Il se nourrit de crottes de guano, de crottes d'oiseaux. Alors, si tu connais la vie de Bouddha, il a arrêté au bout de quelques temps. Il a vu que c'était une impasse. On ne peut pas atteindre le samadhi par la mortification. Donc renseigne-toi sur la vie de Siddhartha Gautama et tu verras que quand il parle des sannyasins, son aventure avec les sannyasins, il a vu qu'il a fait fausse route. Les sannyasins, c'est ceux qui restent toute la journée comme ça,
qui sont tout maigres comme des clous, c'est des arantes, des sadous. C'est des gens qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui boivent très peu, qui mangent très peu, qui prient toute la journée. Et tu verras que dans la vie de Bouddha, il s'est aperçu que c'était une impasse. Le Madhyamaka, la voie du milieu dans le bouddhisme, c'est justement d'être entre les deux, de n'être ni dans l'abondance ni dans la mortification. C'est d'être entre les deux. Tu vois comment je suis, 75 kilos pour 1m74. Je ne suis pas dans l'obésité, je ne suis pas dans la maigreur, je suis dans le Madhyamaka. C'est pas bon les mortifications, ce que tu fais, là, ça ne sert à rien en plus. Alors, une question. En méditation, j'ai vu une sphère se faire entrechoquer par deux autres. Situé de droite à gauche. C'était des électrochocs, c'était quoi? Je sais pas. Voilà. Déjà, tu marques pas la taille des sphères, tu marques pas leur luminosité, tu dis pas si t'étais à l'intérieur ou à l'extérieur, si ça orbitait autour de toi. C'est trop partiel. Vos explications, ouais. Vous pensez que je vais lire 3 ou 4 mots et que je vais tout comprendre à votre expérience. Si vous voulez décrire des expériences comme ça, vous le faites par mail. Vous me l'envoyez par mail. Je vais mettre du temps à traiter parce que j'en ai 5000 en retard de mail. Ou alors vous m'envoyez sur Messenger. Ou alors venez me faire un commentaire sur Facebook. Vous me demandez un ami. Et là, par écrit, je verrai un petit peu mieux votre expérience. Mais en quelques lignes, je n'arrive pas à comprendre ce que vous me dites là. Que penses-tu de l'alchimie et les travaux du très connu alchimiste Patrick Burensteinas? Alors, Burenstein, là, on m'en met une tête comme ça. Parcours alchimique, tout le monde peut faire son parcours alchimique. Tu peux lire les Nicolas Flamel, tu peux lire qui tu veux. Alors les alchimistes, par contre, n'ont pas inventé l'eau tiède. Je le dis, l'alchimie médiévale est un peu occulte, elle est faussée, elle est cryptée. Et les gens, parfois, qui croient être des alchimistes, en fait, ils sont rien du tout. Ils n'ont jamais atteint ni Turiya, ni le Samadhi. Ils ritualisent, ils croient être des gens qui ont atteint quelque chose. En fait, ils ont atteint souvent l'hypnagogie. C'est des gens qui bloquent souvent entre 9 Hz et 11 Hz, sont en phase hypnagogique, se complaisent dans des chimères autogénérées par leur propre système limbique. Ils atteignent ce qu'on appelle le faux éveil. Ils s'autoproclament alchimistes. Moi, j'ai lu un peu les travaux des uns et des autres. Je ne vais pas dire ce mec, là, moi, je m'en fous de lui. Mais la plupart que j'ai vu, c'est des zozos, hein. Faites attention, hein. Allez mieux, vaut mieux que vous suiviez des cours de Qigong, de Neidan ou de yoga, et vous aurez plus un parcours alchimique que si vous suivez des zozos comme ça. Le code binaire est-il inspiré de doctrines comme le Yi Qing? Oui. Oui. Je lis la suite parce qu'il y a écrit paquet de 6 hexagrammes et 8 octets pour l'informatique, afin de nous enfermer dans une réalité augmentée. Voilà. Le système binaire a été inventé par Leibniz. Ce mathématicien du 18e siècle, Leibniz, il a inventé le système binaire. Et tu sais de quoi il s'est servi pour inventer le système binaire? Du Yi Qing. Il a pris les 64 hexagrammes, il les a recombinés. Comme c'était un mathématicien, il a compris le fonctionnement, il a compris la mise en résonance, il a compris la syntonisation, il a compris comment ça fonctionnait. Et il a créé le système binaire qui est utilisé, le système Leibniz est utilisé pour nos ordinateurs modernes. C'est-à-dire les gens qui les informaticiens qui instruisent les logiciels se servent du système Leibniz. Et le système Leibniz, la paternité revient au Yi Qing. Donc si tu lis la vie de Leibniz, ou si tu achètes le Yi Qing, tu verras en préface, sur l'édition Wilhelm, il y a marqué « Carl Gustav Jung s'est servi du Yi Qing pour mettre en place ses 72 archétypes en psychanalyse. Leibniz s'est servi des 72 hexagrammes des 64 hexagrammes et des 8 trigrammes, donc des 72 pictogrammes, pour mettre en place son système binaire. C'est, le Yi Qing fait tourner l'univers dans la paume de sa main. Le livre c'est le plus vieux grimoire de l'humanité. D'ailleurs, au début, ça fait peur. Hein. Quand on commence à se mettre en syntonisation avec le Yi Qing, quand on sait atteindre le Fudoshin et qu'on commence à faire des oracles avec le Yi Qing, on se prend des claque psychologique à se mettre sur le lit, à regarder le plafond pendant 3 heures. Hein. On a l'impression que le livre est vivant. Alors, que penses-tu de l'homogénéisation des valeurs masculines et féminines? On en a déjà parlé. Alors, sommes-nous en relation avec la source quand nous utilisons le pendule? Ah, mais ça. Certains savent le faire, alors je t'explique. J'ai un bon ami à moi qui est anesthésiste.
Je le salue, Marcel. Je lui fais une grosse bise, c'est un très très bon ami. Et il sait se servir d'un pendule. D'abord parce qu'il a une psyché très saine, il a un système limbique complètement dépollué, donc il a des facilités. Donc, mais je le classe dans les radiesthésistes. Les gens qui ont un don avec le pendule, je les classe dans la catégorie des radiesthésistes, de ceux qui trouvent avec des baguettes les sources d'eau, qui savent l'écoulement de l'eau, la profondeur, la masse, les hectolitres d'eau qui sont transportés. Ces gens ont un don. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un système limbique qui est dépollué. Ils arrivent à se mettre en syntonisation avec l'émanation de la substance divine intuitivement. Donc ces gens-là savent se servir d'un pendule. Mais ces gens-là représentent 1/1000 de la population. Donc il y a beaucoup de gens qui font tourner des pendules. En fait, ça ne sert à rien parce qu'ils n'ont pas le don. Mais il y en a quelques-uns, ils ont le don parce qu'ils ont un système limbique adapté. Ils ont une mentalité, une psyché adaptée. Connais-tu le livre « Les 15 tablettes d'Émeraude » ? Oui, oui, bien sûr. C'est Hermès Trismégiste. Donc, alors attention, la table d'Émeraude, elle est courte. Les 15 tablettes, le Kybalion ou des extrapolations qui ont été faites sur la table d'Émeraude sont beaucoup plus récentes. Elles datent du 19e siècle ou du 20e siècle. C'est-à-dire, ce sont des extrapolations sur la table d'Émeraude. Mais la table d'Émeraude, c'est très très court. Hein. Alors, la table d'Émeraude, c'est Hermès Trismégiste. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je vais dévoiler qui était Hermès Trismégiste. Hermès, ça vient du mot... la correspondance en égyptien, c'est Thoth, le dieu Thoth. Qui était Hermès Trismégiste? C'était un Chemsouor, c'était un pharaon de la 18e dynastie, c'était Thoutmôsis III. Parce que Thoutmôsis III, Thoutmôsis, ça veut dire engendré par Thoth. Et III, troisième du nom, donc qui a succédé à Thoutmôsis I et Thoutmôsis II. Donc Thoutmôsis III, le troisième du nom, c'est Hermès Trismégiste. Hermès, équivalent de Thoth, et Trismégiste, qui veut dire trois fois mage. C'est-à-dire, ça a été une mauvaise compréhension de Thoutmôsis III. Engendré par Thoth, le troisième du nom est devenu Hermès Trismégiste. Thoutmôsis III était un mage pharaon de la 18e dynastie. C'était un Chemsouor. Il appartenait à une caste de moines guerriers. C'était un supraconscient de très haut niveau qui était rompu à la guerre, à l'ingénierie, agronome, à l'architecture. Les Chemsouors étaient pluridisciplinaires. C'était des gens, c'est l'équivalent des commandos Uber de maintenant. C'est les commandos Uber. Il y en a 80 en France, c'est des bérets verts. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas des bourrins, c'est pas des gens stupides, c'est des gens, c'est des bac plus 3, bac plus 4. Ce sont des plongeurs, des mineurs, des artificiers, des ingénieurs en électronique, en acoustique. Ce sont des gens très 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 qualifiés. Donc l'équivalent actuel des Chemsouors de l'Antiquité, c'est les commandos Uber. Et Thoutmôsis III, Hermès Trismégiste, qui a écrit la table d'Émeraude, qui était écrite en... Alors si vous voulez la preuve de ce que j'avance, vous vous intéressez à l'Énéade égyptienne, au culte Raosiriaque, à la magie Eka, vous verrez que tout ce qui est décrit dans le culte Raosiriaque et dans la magie Eka, ben, c'est la table d'Émeraude d'Hermès Trismégiste. On m'a informé que nous étions au 328 et qu'il manquait 100 pouces bleus. Donc merci. Merci à celui qui m'en a donné l'information. Donc mettez vos pouces quand vous êtes sur le live. Merci beaucoup. Est-il important pour toi, d'initier le plus de personnes possible? Et se pourrait-il que cela forme une future coalition spirituelle? Oui, c'est ça. Tu as tout compris. Ouais. Le but de la supraconscience, quand tu atteins la supraconscience, ton plaisir, ensuite, c'est de transmettre la supraconscience. C'est vraiment, moi, c'est mon seul but. Là. Je ne gagne pas d'argent, tout le monde le sait. On n'a pas monétisé la chaîne. On ne le monétisera jamais. On ne gagne pas de sous avec ça. C'est par altruisme, c'est le plaisir. Quand tu atteins la supraconscience, ton plaisir, c'est de faire découvrir ça au plus humain possible. Pourquoi ? Effectivement, de génération en génération, de siècle en siècle, on va former une coalition et on va rentrer dans ce qu'on appelle le nouvel âge d'or de l'humanité. Dans 2 siècles et demi, 3 siècles, sur la planète, il n'y aura que des supraconscients de très haut niveau. Alors, il y a une question qui était là tout à l'heure. Alors, du coup, je la répète. Alors, Yggdrasil est-il lié à l'arbre séphirotique? Oui, Yggdrasil, bien sûr. Alors, les 9 mondes d'Yggdrasil. Alors, je t'explique.
Yggdrasil et le Sefer Yadira de la Kabbale juive, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Alors, pourquoi il y a neuf mondes à Yggdrasil? L'arbre contient neuf mondes parce que un cube, comme dans le Sefer Yadira, il a huit sommets et un barycentre. Ce sont les neuf mondes de l'hypercube spatial, les quatre sommets et le centre. On arrive aux neuf mondes de l'Yggdrasil. Alors, les cultures, les peuples germano-scandinaves, donc vikings, les peuples saxons, les peuples celtiques et pré-celtiques avaient une connaissance parfaite des disciplines psychophysiologiques du monde éthérique, de l'instase mystique, de la supraconscience. Alors par exemple, la rune Yngvas, qui signifie la gestation, mettre au monde un enfant, ben, ce n'est pas une sphère qui représente cette rune. On pourrait penser qu'un ventre, les vikings allaient dire « tiens, on fait une sphère pour montrer la gestation », mais pas du tout. C'est l'interfusion de deux cubes. Vous pouvez regarder Yngvas, c'est l'interfusion de deux carrés. Ça, on montre vraiment ce qu'est un hypercube spatial. Les vikings, avec l'Yggdrasil, avec les runes Yngvas, en est une représentation parfaite. Ces gens maîtrisaient les états de conscience modifiés à la perfection. La culture druidique connaissait ça parfaitement. D'ailleurs, un supraconscient, quand il active sa glande de pinéale à partir de 6 Hz d'activité neuroélectrique, il voit les énergies subtiles. C'est comme ça qu'il arrive à détecter les vortex telluriques. Et c'est comme ça, dans l'Antiquité, que les cromlechs, les dolmens, les menhirs ont été placés. Et ensuite, sur ces sites, ont été bâtis des temples de Mithra dans l'Antiquité ou de Sérapis. Et quand les Byzantins sont arrivés au IVe siècle, Constantin, ils ont rasé tous les Mithraeums, tous les Sérapéums, ils ont construit des églises, des basiliques, des cathédrales sur des anciens sites qui remontaient au culte pré-celtique, ou qui remontaient même jusqu'au néolithique. Alors, pour en revenir furtivement sur les jeunes dont on a parlé, il y a quelqu'un qui dit donc, que du coup, donc certains témoignages des jeunes très très longs comme Pralajani ou certains saints, c'est faux selon toi ? Ah mais c'est, moi je m'en fous de savoir si c'est faux ou si c'est vrai, je vous le déconseille. On appelle ça des mortifications. Vous avez une chance sur deux de mourir. Donc si vous avez envie de mourir, faites-le. Mais je vous le déconseille. Ce n'est plus de l'ascèse, on n'est plus dans l'ascétisme, là c'est plus de l'ascèse. Vous rentrez dans les mortifications. Et dans le bouddhisme, l'hindouisme ou le taoïsme, on vise le madhyamaka, le shindouzi, c'est-à-dire la voie du milieu. Et là vous faites fausse route. Arrêtez vos mortifications. Et tous ces gens qui prétendent se nourrir de prana, de l'émanation de la substance divine, de ne plus boire, de ne plus manger, 9 fois sur 10, ça les conduit à la mort. Ou alors, aux urgences, ils perdent la vue, parce qu'au bout de je ne sais plus combien de temps, c'est la cécité qui arrive. Vous perdez la vue, elle ne reviendra jamais. Vous allez créer des dommages physiologiques sur votre corps qui sont irréversibles. Ne faites pas de mortification. Arrêtez de croire tous ces bobards, des gens qui se nourrissent de prana. Si vous avez envie de mourir, faites-le. Alors, est-ce que tu peux développer, justement, on parlait de l'homogénéisation. Voilà, des valeurs masculines et féminines, et quels effets sur l'être humain et sur l'avenir de l'humanité ? Ben, c'est-à-dire l'émanation de la substance divine est neutre. Elle n'est ni positive ni négative. C'est-à-dire Vishnu négatif, positif, lumineux, et Shiva négatif, sombre. Quand ils se fusionnent, les deux, quand les deux polarités sont sublimées, elles donnent Brahman. Et le Brahman, c'est l'émanation de la substance divine, neutre, divin. On passe dans l'absolu. C'est ce qui est en train d'arriver à la planète. Les deux genres sont en train, physiologiquement, biologiquement, de faire le même processus de fusion des deux polarités. C'est-à-dire les femmes vont devenir de plus en plus masculines et les hommes vont devenir de plus en plus féminins. Et ils vont se retrouver à mi-route. Alors les hommes ne vont pas devenir des femmes et les femmes ne vont pas devenir des hommes, vont s'homogénéiser, vont faire un ratio entre les deux, vont faire la moitié du chemin. Alors il y a quelqu'un qui dit, vu que tout le monde pose toujours les mêmes questions, apprends-nous quelque chose de nouveau sur ce sujet ? Sur le sujet en général. Mais moi, je vous invite tout simplement à regarder les vidéos. Voilà. Là vous sincèrement, allez avoir, toutes voilà. Les questions que vous avez posées, toute la soirée, sont traitées dans les vidéos. Oui, tout à fait.
les vidéos, dans les lives aussi. Dans les lives. Voilà. C'est pour ça qu'il y a certaines. Sur Facebook. Ouais, ouais. Ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, je suis beaucoup plus pointu sur Facebook que sur YouTube. Pourquoi ? Parce que c'est écrit, je prends mon temps, je développe des sujets particuliers qui me tiennent à cœur. Donc, sur Facebook, certains sujets sont traités en profondeur. Alors, la nazification sera-t-elle du même ordre que le Troisième Reich, c'est-à-dire à la suprématie de la race blanche, ou sera-t-elle différente et sous quelle forme ? Non, ça sera pareil. C'est-à-dire, ce sont des loges germano-scandinaves et anglo-saxonnes qui se sont coalisées, qui visent l'extinction massive de Sapiens Sapiens. Ils veulent rester à 500 millions d'individus entre eux pour avoir un espace vital. En Occident, ils veulent rester entre eux, c'est-à-dire une élite d'aristocrates. Alors, aristocrates, ce n'est pas forcément des nobles, c'est des gens très riches qui mènent une vie un peu de standing, comme ça, qui ont envie de rester entre eux. Et ce sont des germano-scandinaves et des anglo-saxons. Alors, la nazification, qui est en cours et qui va s'aggraver dans les générations qui arrivent, elle ne va pas être pareille, elle va être pire que le Troisième Reich, pire. Alors, quelqu'un qui dit « Très jeune, j'ai compris et expérimenté la possibilité par l'esprit de faire le bien comme le mal. Pourquoi trouve-t-on finalement si peu de gens éveillés ?» Putain, des questions, vous êtes trop intelligents, je ne les comprends pas. Ah, j'ai trop intelligent. Mais je l'ai relu trois fois. Je n'arrive pas à comprendre. Ben, j'arrive pas à faire le lien. C'est quoi déjà la question ? Alors la question c'est « J'ai compris et expérimenté » la possibilité par l'esprit de faire le bien comme le mal. Pourquoi trouve-t-on finalement si peu de gens éveillés ? Je ne sais pas. C'est une question bateau que je n'arrive pas à te poser de réponse. Bon, allez, si on fait abstraction de la première partie, pourquoi justement il y a peu de gens éveillés du coup ? Alors il y a peu de gens éveillés, c'est le fonctionnement cérébral. Au quotidien, l'état de veille se situe en activité neuroélectrique entre 20 Hz et 30-35 Hz. Si tu fais des exercices, des mots croisés, des exercices de maths, tu vas monter à 40 Hz, par exemple. Et ce bouillonnement mental est une entrave à l'anstase mystique, parce que l'anstase mystique, le processus, c'est justement de baisser ton activité neuroélectrique pour atteindre les ondes θ et les ondes delta. Alors entre les deux, la frontière, c'est les ondes alpha, entre 9 Hz et 12 Hz, c'est les ondes alpha. Mais nous, les humains, on a l'habitude au quotidien de fonctionner en onde bêta, donc sur une plage de fréquence située entre 20 et 40 Hz. Et ça, c'est incompatible avec une anstase mystique. Est-il possible de guérir une maladie mentale comme la schizophrénie avec la méditation ? On en a parlé il y a 25 minutes de ça. Je n'en sais rien, je ne suis pas psychiatre et je ne sais pas. Comme je n'ai pas... Je ne peux pas expérimenter, je n'ai pas sous la main un schizophrène, je ne peux pas lui dire « fais comme ça, atteins la supraconscience, est-ce que ça t'a fait du bien ?» Je ne peux pas, je ne l'ai pas expérimenté. Mais il y a 25 minutes, j'ai expliqué qu'avant de se lancer dans le yoga, le Neidan, dans des disciplines psychophysiologiques, on prend soin de dépolluer son système limbique. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va chez un psychothérapeute. On ne peut pas rentrer, prendre des cours de yoga... rempli de problèmes, en dépression nerveuse, en étant schizophrène, au préalable, on fait une psychothérapie, où on se soigne. Et quand on est sain, quand on a un système limbique sain, dépollué, quand on a une psyché équilibrée, on va faire du yoga. Ça n'enlèvera pas la réactivité. Hein. Ne croyez pas que d'atteindre l'anstase mystique, ça va vous rendre neuneux. Hein. Vous n'allez pas vous retrouver avec des marguerites dans les cheveux, en train de bénir les gens, avec des pétales de rose, hein. Vous allez garder votre réactivité. Il faut savoir, il y a une maxime, il y a un adage dans la doctrine zen qui dit sur 10 personnes qui atteignent le satori, l'anstase mystique, il y en a 5 deviendront des guerriers, 4 deviendront des religieux, le dernier deviendra fou. Ça veut dire qu'au ratio, il y a plus de gens qui emprunteront une voie martiale qu'une voie religieuse. L'anstase mystique ne fait pas perdre sa réactivité. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les grands temples en Asie ou en Inde qui forment des supraconscients, hein, qui mènent vers le samadhi ou le satori, la plupart du temps, ça forme des guerriers. Hein. Le Shugendo, le Sohei, les Yamabushi, les Shaolin sont issus de voies religieuses qui ont mené vers un éveil martial. En Occident, les derniers
qui ont emprunté cette voie, c'était les Templiers, c'était des moines soldats. Ils atteignaient l'anstase mystique et ça ne leur enlevait pas leur qualité guerrière. Hein. Alors, une vision flash de cercles blancs concentriques comme une cible en regardant le sol en plein jour en campagne. Est-ce que tu sais ce que ça peut être ? Ça peut être de la lumière résiduelle sur tes photorécepteurs, c'est-à-dire des phosphènes. Ça peut être ça. Alors, il y a le ring, on appelle le ring chez les Asiatiques. Il y a eu un film qui a été fait dessus, ce rond blanc qui est censé apparaître. Et ensuite, il y a des démons qui arrivent. Alors, si vous fermez les yeux, que vous bougez vos yeux très rapidement, vous allez le voir, ce ring, cet anneau lumineux blanc. C'est juste vos photorécepteurs sur la rétine périphérique qui vont générer de la lumière résiduelle. Ça va créer un anneau blanc lumineux. Ben, c'est rien de spécial. On appelle ça de la lumière phosphénique, de la lumière résiduelle. C'est vos photorécepteurs qui contiennent encore un peu de lumière, et en bougeant les yeux, la rétine est sollicitée, et ça fait apparaître des phosphènes, comment on appelle ça, la persistance rétinienne. C'est des taches de persistance rétinienne. À ne pas confondre avec les tiglés. Hein. Quand vous êtes en état de supraconscience, vous visualisez le monde éthérique, et les flocons de hack qui vont orbiter autour de votre véhicule céleste. Les tiglés n'ont rien à voir avec des phosphènes. Hein. Les phosphènes ont des couleurs blanchâtres, orange ou verte, parce que la contrepartie du rouge, c'est le vert, comme dans les... comment on appelle ça ? Comment ça s'appelle, vision nocturne ? Vision infrarouge. On n'y voit pas en rouge dans les visions infrarouges, on y voit en vert, parce que la couleur complémentaire du rouge, c'est le vert. Donc dès que vous voyez des taches orange, verte, c'est des phosphènes. Les tiglés sont argentés et parfois ils sont rayonnants, dorés. Ils sont beaucoup plus petits que les phosphènes et ils ont des trajectoires ordonnées. Ils orbitent le long des flux électromagnétiques, alors que les phosphènes, les taches de persistance rétinienne, elles sont complètement anarchiques. Alors, il y a Tiviti, tu vois qui c'est, oui. Voilà, qui te demande si tu as vu et réfléchi à sa question sur la dernière vidéo en ligne, néant, à savoir si tu as un a priori là-dessus. Je ne me rappelle plus de la question, mais si tu parles du Wu-Wei, alors je t'explique. Sur le néant. Notre univers est intermittent. On appelle ça la discontinuité quantique. C'est-à-dire, un corps, il est là, mais il n'est pas là. Pourquoi ? Parce qu'au niveau subatomique, il n'y a pas d'énergie continue. Les quarks ne fournissent pas une énergie continue. Elle est discontinue. Elle s'arrête, elle reprend. Elle s'arrête toutes les nanosecondes. Pourquoi ? Parce que le tachyon se recrée lui-même, il est incréé. On appelle ça, il a une faculté, il est incréé. Tous les milliardièmes de seconde, comme il préexiste à sa propre naissance, en mettant le temps, le tachyon peut remonter dans le temps et il se recrée. C'est pour ça, c'est ce que les physiciens traduisent par la discontinuité quantique. Notre univers, il clignote. Il est là et il n'est pas là. Alors, par moment, quand il est là, on dit qu'il est Wei, il est dans l'être. Et quand il n'est pas là, il est Wu Wei, dans le Wuji, il est dans le néant. Il est dans le non-être. Notre univers est une alternance d'être, Wei, et de non-être, Wu Wei. Ça donne la discontinuité quantique. Dans notre chemin spirituel, a-t-on besoin d'un maître ou d'un supraconscient pour nous élever ? Non. Moi, je prône l'autoréalisation. La voie de l'autoréalisation, c'est être son propre maître et son propre disciple. Vous n'avez besoin de personne. Vous avez besoin de vous prendre face à face, de maîtriser les quatre dragons, le dragon de la décontraction, le dragon du contrôle respiratoire, le dragon de la vacuité cérébrale et le dragon de la gestion de la peur. Point. Vous prenez face à face pour purifier votre système cérébro-spinal. Vous prenez des bonnes lectures. Taoïsme, bouddhisme, hindouisme, la liste des doctrines à haute intensité spirituelle, vous reconfigurez votre psyché, vous faites votre méditation et vous devenez votre propre maître et votre propre disciple. C'est la voie de l'autoréalisation. Moi, je suis anti-gourou, anti-monté au pinacle des Sri Aurobindo, des Krishnamurti ou des Kikampoa, on s'en fout. Vous avez besoin de personne. Nous sommes tous les humains des êtres à quatre creusets. Donc, la supraconscience appartient à tout le monde. Et tout le monde peut y aller seul. C'est une voie qui s'emprunte seul. D'ailleurs, il y a une phrase dans le bouddhisme, un adage, c'est un sage peut vous montrer une fontaine, mais il ne pourra pas boire à votre place. Peut-on parler de renaissance au lieu de réincarnation, comme le dit René Guénon ?
Ah, mais ça, c'est de la sémantique. Vous vous égarez sur des problèmes où il n'y a pas la place. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Pratiquez, lisez, faites de la vacuité cérébrale. Allez à la rencontre de l'émanation de la substance divine. N'allez pas à la rencontre de Guénon. Moi, Guénon, je l'ai lu, j'avais 18 ou 19 ans. Je l'ai relu, j'avais une trentaine d'années. Bah, j'ai aimé, mais Guénon, il n'a pas inventé l'eau tiède. Hein. Guénon, c'était un ésotériste de très haut niveau, c'était un supraconscient intuitif, il avait des petits accès, il avait fait des petits écrits, c'était, il ne maîtrisait pas très, très très bien la supraconscience. Il était syncrétiste, c'était un musulman, mais très profondément aussi ancré dans le taoïsme. Donc il s'est fait sa propre voie mystique, c'est pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé certains ouvrages de Guénon, mais après, je le redis encore une fois, il n'a pas inventé l'eau tiède. Hein. Après le décès de la maman de cette personne, elle l'a vue deux fois en rêve, odeur et télépathie, et la deuxième fois, elle lui a dit qu'elle ne reviendrait plus. C'était 50 jours après sa mort. Rêve ou connexion mercabique? Comment vous voulez que je le sache? Vous me posez une question, comment? C'est subjectif, ça. C'est vous qui l'avez vécu. Je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas savoir à votre place, là. Si vous l'avez senti comme ça, c'est que c'est comme ça. C'est intuitif, c'est que c'est comme ça. Les parasites astro, est-ce que ça existe? Non. Alors, je le redis encore une fois, le New Age est un mélange d'anthroposophie, de Steiner, de théosophie, de Blavatsky, de gnose moderne, de Samael Weor, d'un petit peu de chamanisme et d'un petit peu d'alchimie médiévale. Ça, c'est le New Age. Alors, injecté aussi avec des extraterrestres, tout un tas de bobards qu'on essaie de vous faire gober, mais... Dites-vous bien que tous ces concepts sont pernicieux. Rien ne peut être tenu pour acquis dans le New Age. Déjà, le New Age, c'est une mouvance d'extrême droite. C'est les nazis étaient des New Age. Le sport à outrance, le mysticisme de la Ahnenherb de Himmler. Donc, tout ce qui est Vajrayana, tout ce qui est Blavatsky, Steiner et compagnie. Donc, tout ça, vous pouvez le jeter à la poubelle. Ce sont des voies pernicieuses. La vérité, elle est dans le taoïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, la kabbale juive, le soufisme et la doctrine zen. Point. Tout le reste, vous pouvez le jeter à la poubelle. Ce sont des voies pernicieuses. La question, elle portait sur quoi? C'est ça, c'était les parasites astro. Est-ce alors que ça voilà, existe? Tout ce qui est archonte, archonte, parasites, démoniaques. Alors, à une époque, on ne connaissait pas les EEG, les électroencéphalogrammes, on ne connaissait pas l'activité neuroélectrique. Et quand les gens voyaient des démons, quand ils méditaient, croyaient, qui venaient de l'enfer. En fait, ce sont des chimères autogénérées par le système limbique des méditants. C'est vous-même qui générez toutes ces chimères inoffensives. Elles ne feront jamais mal. Moi, j'ai passé des phases hypnagogiques dans ma vie, des milliers. Regardez, je suis en bonne santé, je touche du bois, tout va bien. Les chimères hypnagogiques n'existent pas. Ce sont des chimères. Tous les gens qui vous font croire qu'il y a des archontes, du bas astral, tout ça, c'est des gens qui ne connaissent pas le processus cérébral. Ils ne savent pas que quand on descend son activité neuroélectrique, quand on rentre dans la plage de fréquence située entre 9 Hz et 11 Hz, on va générer des chimères hypnagogiques. Et tout ça, ça n'existe pas, c'est que dans votre esprit. La vraie expérience, la vraie décorporation, elle commence à 6 Hz. Ce que les juifs kabbalistes appellent Tiferet. Ce que les Asiatiques appellent Touria, les Hindous l'appellent Touria, 6 Hz d'activité neuroélectrique. Là, vous êtes extrait par l'induction électromagnétique qui traverse votre canal médulaire. Vous êtes propulsé dans le champ scalaire. C'est ça la vraie expérience. Mais tout ce qui précède, cette plage de hypnagogique, tout ce que vous allez voir, ça sort juste de votre imagination. C'est votre système limbique qui traduit vos névroses, vos angoisses, vos frustrations, votre agressivité. Donc ça va traduire pour des gens déséquilibrés des chimères hypnagogiques démoniaques, et là ils vont voir des archontes, des saloperies, des démons, mais tout ça est faux et puis c'est inoffensif. Donc tous ces gens là du New Age qui disent faites attention aux entités parasites, aux archontes et tout, c'est de la merde. Vous êtes en train de vous faire escroquer. D'ailleurs, moi je les vomis, tous ces gens qui demandent des sous. J'avais sympathisé avec 2-3 là récemment, puis quand je vais enquêter sur eux, je vois tout ce qu'ils veulent, c'est du pognon. Ils font semblant qu'ils ont atteint l'éveil, ils n'ont rien atteint du tout. Ils sont noyés dans leur chimère hypnagogique, ils écrivent des livres, ils sont en train de vous embobiner et vous piquent vos sous. Ce sont des escrocs, des gens qui savent, malhonnêtes, qui savent exactement qu'ils vous mentent. Ils savent pertinemment qu'ils vous mentent.
Est-ce qu'une graine à planter possède une merkaba? Ah ouais. C'est bizarre, mais ouais. Les plantes ont une merkaba qui est statique. Elle n'est pas contrarotative. Et elle a un seul creuset émotionnel. Les plantes ressentent. Elles n'ont pas de creuset analytique, ni spirituel, ni instinctif. Elles ont un creuset émotionnel. Et elles sont statiques. C'est-à-dire en état supraconscience, une plante, un tuyau, n'importe quoi dans la pièce, vous allez voir son enveloppe aurique, en dessous de 6 Hz d'activité neuroélectrique. Vous pouvez la voir. Et vous allez constater que sa merkaba, à la plante, ne tourne pas, elle est statique. Elle ne comporte qu'un seul creuset, le creuset radiant émotionnel. Les plantes ressentent. Alors les insectes, par exemple, n'ont que 2 creusets. Ils ont le creuset analytique et le creuset instinctif. Ils ne ressentent pas d'émotion. Ils ont des attitudes un peu semi-robotisées, parce qu'ils fonctionnent avec des phéromones. Ils ont des échanges de phéromones entre eux pour communiquer. Ils ont des comportements, c'est comportemental. Un insecte qui croise un autre insecte, à son comportement, il va savoir, ça veut dire, ça traduit un langage. Et puis beaucoup avec les phéromones. Mais ils n'ont pas d'émotionnel. Des abeilles, quand elles s'accouplent, c'est instinctif et analytique. Elles ne mettent pas l'émotionnel dans l'histoire. Les animaux ont 3 creusets. Instinctif, émotionnel, analytique. Mais n'ont pas de creuset spirituel. Je l'ai dit en début de live, un animal, un berger allemand ou un chat, ne peut pas se poser des questions sur Dieu, sur l'éternité et sur l'infini. Sur la planète, l'humain est le seul animal à 4 creusets. D'ailleurs, dans l'univers, à part de devenir une conscience merkabique d'atteindre le 5e creuset, mais toute l'évolution quand on a 4 creusets, nous faisons partie des êtres intelligents dans l'univers les plus évolués. Et nous allons bientôt atteindre, comme toutes les civilisations de l'univers, notre seuil de stagnation technologique. Le vrai progrès dans l'univers, il n'est pas technologique, il est spirituel. Le but des êtres, c'est d'atteindre le 5e creuset. Alors d'abord, un être à 4 creusets, son but, c'est d'atteindre l'enstase mystique, d'activer totalement son 4e creuset. Ensuite, doucement, de processus en processus, d'incarnation en incarnation, d'atteindre le 5e creuset. Et le but final, la dissolution, moksha, de dissoudre ces 5 creusets dans l'émanation de la substance divine, de refusionner avec la source, de ne faire plus qu'un avec l'univers. Vous redevenez l'univers. Alors, est-ce qu'il est possible de parler plus en détail de clipote dans une autre vidéo, par exemple? Oui, mais j'avais parlé plusieurs fois. L'arbre séphirotique, il part de Malkout à Keter. Donc, on part de 11 Hz, hypnagogie. On va traverser le luminique à 6 Hz. On va faire sa phase luminique. À partir de 4 Hz, on passe à date, la mort symbolique. Et on rentre, entre 3 Hz et 1 Hz, on rentre dans l'univers tachyonique, dans le monde infrascopique. Mais il faut savoir que le clipote, c'est l'arbre inversé. Les sphères du clipote montrent la décompensation psychologique. Quand vous atteignez l'enstase mystique, à 1 Hz d'activité neuroélectrique, il faut savoir, je le dis dans toutes les vidéos, il faut savoir que pour 6, 7, 8 minutes passées dans l'univers tachyonique, en enstase mystique, quand vous allez réincorporer, revenir dans notre réalité, vous allez avoir à peu près une dizaine d'heures de catatonie. Vous allez être prostré. Et ça, c'est le clipote. Quand vous montez à la 11e sphère à Keter, vous descendez au clipote, à la 11e sphère, dans l'arbre de mort. Vous allez faire une dépression, vous allez avoir une décompensation psychique. C'est ça, le clipote. Dans le soufisme, la danse de l'extase mystique est-elle comparable à un voyage astral? Et ces danseurs sont-ils des supraconscients? Ouais, les derviches tourneurs, oui, ce sont des supraconscients. Pas tous, hein. C'est pas tous les soufis qui sont supraconscients, hein. C'est les chers. C'est des anciens qui sont supraconscients de très haut niveau. Mais par exemple, le choclen, chez les juifs, le ballon d'avant en arrière, le choclen, c'est rythmé, c'est pour induire des ondes alpha. C'est pour baisser son activité neuroélectrique à fleur des 12 Hz. Et tourner avec une main vers le bas, une main vers le haut, comme les derviches soufis, tourner sur soi-même, c'est pour atteindre aussi des ondes alpha. Ensuite, une fois que le choclen ou les derviches, quand ils ont arrêté de tourner, on passe aux autres phases, c'est-à-dire on s'assoit, là on s'assoit devant son chair, face à face, et là on passe en onde θ et en onde delta. On passe de 6 Hz à 1 Hz. Pour atteindre quoi? Le Baral d'Altallah, l'essence océanique de Dieu. Le soufisme, moi j'en parle souvent parce qu'il est classé dans une des voies à haute intensité spirituelle.
Ça fait partie des voies qui mènent à l'instase mystique. C'est une bonne voie pure. Que penses-tu, alors, que penses-tu du psaltérion avec le roi David, les liens avec Zoroastre et les orbes? Les Juifs ont cohabité avec les Perses. Quand les Juifs ont été exilés à Babylone, Babylone, à l'époque, elle n'était pas sous domination sémitique, elle n'était pas sous domination assyrienne, elle était sous domination perse. C'était des Iraniens, des Indo-Ariens. Donc il y a eu des échanges, ce qu'on appelle des échanges, ça a transpiré entre les Hébreux et les Perses. Il y a eu des échanges culturels. Par imprégnation culturelle, il y a eu des échanges religieux, des échanges métaphysiques. Donc, après, bon, moi, je ne veux pas encore attaquer maintenant, on n'en est pas au noyau de l'initiation, mais vous allez avoir des surprises quand je vais vous dire qui était vraiment David, donc Shlomo, Salomon, qui étaient vraiment tous les patriarches de l'Ancien Testament, vous allez tomber de l'armoire. Mais on n'en est pas encore au noyau de l'initiation, si je commence à le dévoiler maintenant, mon initiation est la plus courte. Hein. Bonjour, je suis TDAH, et à chaque méditation, je pense énormément, et je vais bientôt acheter un casque pour mesurer les ondes cérébrales pour la méditation. Est-ce une bonne idée? Non, alors je vais t'expliquer. Les EEG qui sont vendus dans le commerce, qui coûtent 300, 400, 500, 600 euros, ne sont pas fiables. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'un EEG performant, par exemple, le plus petit modèle, c'est le EEG valise. C'est ceux qui sont dans les hélicoptères de haute montagne. Quand il y a un mec qui tombe, qui fait une fracture du crâne, qu'il a une atteinte cérébrale, dans l'hélicoptère, on a le petit EEG portatif. Il coûte déjà 30 000 euros. Et un EEG performant chez un neurologue, dans un cabinet, ça peut aller à 90, 100, 120 000 euros. Donc tu comprends bien qu'un petit EEG à 300 euros, tu ne vas pas faire grand-chose avec. Il vaut mieux te faire ami avec des médecins et te faire placer des vrais capteurs et un vrai EEG et faire une séquence et voir avec ton médecin. Tu dis je fais du yoga, je voudrais savoir où j'en suis avec mon activité neuroélectrique. Il vaut mieux avoir affaire à un professionnel qu'acheter un petit appareil gadget qui ne va pas te mener. Ou alors, tu te sers de l'arbre séphirotique. C'est un outil. De 11 Hz à 1 Hz, l'arbre séphirotique décrit toutes les sphères de conscience que tu vas rencontrer en descendant ton activité neuroélectrique. Donc, quand tu consultes l'arbre séphirotique, tu vas voir tes sphères. Tu vas voir Malkout, ça va être décrit. Tu vas voir Yesod, tu vas voir Tiferet à 6 Hz, tu vas voir Da'at à 4 Hz, tu vas voir Keter à 1 Hz. Et là, tu vas voir les descriptions dans l'arbre séphirotique, qu'est-ce qu'il y a, les visualisations, et tu vas te dire, tiens, je suis arrivé à Malkout, je suis arrivé à Yesod, à Tiferet, à Da'at ou à Keter. C'est un gradient, ça te donne des repères. Donc pour ceux qui n'ont pas les sous pour s'acheter un électroencéphalogramme, je conseille de se référer à l'arbre séphirotique. Il y a une description des sphères de conscience entre 11 Hz et 1 Hz. Et à peu près, vous saurez où c'est que vous êtes allé. Alors, quelles sont tes sources d'informations préférées? C'est-à-dire, pourquoi? TF1 pour les informations, le journal. TF1, France 2, BFM, je ne regarde pas. Est-ce que tu as des sources? Est-ce que tu... Ton meilleur professeur, c'est l'émanation de la substance divine. Quand tu fais une instase mystique, tu atteins un hertz, tu es directement en relation avec l'émanation de la substance divine. Il n'y a pas de meilleur maître que Dieu. As-tu en tête des références soufis à étudier? Oh, la niche des lumières. Ibn al-Arabi, c'est un classique. Après, bon, il y en a plein, hein. Averroès, Avicenne. Je peux t'en citer une liste de soufis magnifiques. Hein. Moi, j'ai lu beaucoup, les soufis, c'est magnifique. Mais je te conseille, si tu veux commencer, le Béaba, la niche des lumières, Ibn al-Arabi. Comment rendre sa Merkaba totalement indétectable et imperméable, même par les pros de la vacuité cérébrale? Tu peux pas. Un supraconscient de haut niveau verra toujours ta Merkaba. On ne peut pas la rendre invisible. Il faut arrêter de regarder Dragon Ball Z. Ah, mais j'en ai plein, là. Il m'envoie des trucs, des fois. C'est vrai, c'est gentil, mais c'est puéril. J'ai affaire à des mecs de 40-45 ans. Ils me disent « Oh, mais ça, j'ai vu dans Dragon Ball Z. » Mais moi, je tombe de l'armoire. Je tombe du tabouret. Ah ben, c'est pareil que Picsou Magazine. Hein, ouais. Désolé, hein. Moi, j'ai des références, des mecs de 40-45 ans. Ils me parlent de Dragon Ball Z.
Alors, il y a quelqu'un qui te demande, qui te dit, mais pourquoi l'iced tea et pas du coca, par exemple? Ben, j'aime pas, c'est... Tu sais, moi, j'ai le palais, le goût, la langue d'un enfant de 8 ans. C'est-à-dire, j'aime le lait fraise, j'aime l'iced tea au citron, j'aime la grenadine, j'aime tout ce que les enfants de 7 ou 8 ans adorent. Voilà, je bois pas d'alcool parce que c'est juste... J'aime pas le goût de la bière, j'aime pas le goût du whisky, j'aime pas le goût du pastis. Faites l'alcool, c'est juste parce que ça pique et que moi, j'ai la bouche d'un enfant de 8 ans. Alors, on va me dire les cigarettes, j'ai fait la connerie. Il y avait un ami, un gitan, on avait 11 ans, on était en 6e, il m'a fait fumer. Et puis voilà, j'ai commencé à fumer. Et puis maintenant, j'ai 53 ans, je fume. Mais sinon, question boisson, moi, je suis un môme, j'ai 8 ans. Le coca, j'aime pas parce que ça pique trop, il y a des bulles et tout. Moi, j'aime pas trop les bulles. Tu vois, tout ce qui est Perrier, tout ça, j'aime pas. C'est juste les bulles qui me plaisent pas. Est-ce que d'autres planètes de notre système solaire ont 5 creusets? Non. Et est-ce que seules les planètes qui abritent la vie ont 5 creusets? Non, mais ça, c'est des thèmes qui sont abordés au noyau de l'initiation, on n'y est pas encore. Donc, je dévoilerai ce que sont des Merkaba géocroiseurs, des métatrons géocroiseurs, des métatrons hélio-orbitaux. Je décrirai tout ça dans le noyau de l'initiation, on n'y est pas encore. Patience. A-t-on réellement un guide, un ange gardien? Ta Merkaba, ton véhicule céleste, c'est ton guide. Ton Tianlong, ton champ aurique divin, c'est ton meilleur maître. C'est l'interface entre toi, ta psyché de sapiens sapiens, et l'émanation de la substance divine. C'est ton interface divin, ta Merkaba. Alors on l'appelle Merkaba chez les juifs kabbalistes, on l'appelle Tianlong chez les taoïstes, on l'appelle Vimana chez les hindouistes, on l'appelle Vahana chez les bouddhistes. Tous les peuples lui ont donné un nom. Connaissez-vous alors Thich Nhat Hanh, et pourquoi pensez-vous qu'il ne parle jamais de l'instase mystique? Ben déjà, je sais même pas qui c'est. Peut-être que je te le lis mal. Hein. C'est là. C'est écrit en gros. Je sais pas qui c'est. Non, je vois pas. Ouais. Et s'il parle pas de l'instase mystique, c'est que c'est un guignol. Alors, ben non, on vient d'y répondre. Alors, la vérité, c'est le soufisme, le taoïsme, l'hindouisme, etc. Ces voies sont initiatiques. Or, vous prenez l'autoréalisation sans maître. Pouvez-vous expliquer le paradoxe? Mais il n'y a pas de paradoxe. Ce sont tous des voies qui prônent l'autoréalisation. C'est les voies de l'autoréalisation. Le taoïsme de la fleur d'or prône l'autoréalisation. Devenir son propre maître et son propre disciple. Ainsi que les autres voies haute intensité spirituelle. Il n'y a pas de paradoxe à suivre une voie d'autoréalisation, puisqu'on te prône l'autoréalisation. Des voies qui sont neutres. Ce sont des voies qui ont été écrites par des gens, des supraconscients, qui avaient atteint l'absolu. Donc ce n'est pas des voies pernicieuses, on appelle ça des voies pures. Qui prônent quoi? On apprend au gars à devenir son propre maître et son propre disciple. Ce sont des voies d'autoréalisation. On appelle ça aussi des voies à haute intensité spirituelle. Il n'y a pas de paradoxe là-dedans. Est-ce que les bracelets de protection aident vraiment à protéger spirituellement? Non, je l'ai dit en début de live. C'est décoratif. Moi aussi, j'en mets. Tu vois, je mets de la turquoise, je mets de l'œil de tigre. Mais c'est décoratif. Hein. Moi, je n'y accorde aucune vertu, quoi que ce soit. Alors, je vais le redire. Pourquoi? Parce que pour créer un champ morphogénétique, pour qu'il soit effectif, il faut une masse minérale très importante. Donc une pyramide, ça crée un champ morphogénétique qui favorise la décorporation mystique. Une cathédrale qui a été construite par des compagnons, des mystiques, à la croisée de la nef et du transept, ça favorise l'instase mystique. À Qumran, chez les Esséniens, les grottes, la masse minérale favorisait l'instase mystique. En Asie mineure, en Cappadoce, Les premières églises d'Asie mineure, qui étaient creusées dans du grès, favorisaient l'instase mystique. Mais c'était des milliers, des centaines de milliers de masses minérales autour. Il faut... Alors, des petites pierres comme ça, vous savez ce que ça fait? Rien du tout. Ça fait que dalle, parce qu'il n'y a pas assez de masses minérales. Donc tous les gens qui font du Reiki, qui se posent des pierres
sur le troisième œil, sur le plexus, tout ça. C'est du folklore, ça sert absolument à rien. Il faut des centaines de milliers de tonnes de masse minérale pour créer un champ morphogénétique. Tout ce qui est Reiki, orgonite et tout, ça sert à que dalle, malheureusement. Attends, ça va, hein, hein. Est-ce que tu peux parler de l'islam et du prophète Mahomet ? Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était Al-Qurraïj, c'était un supraconscient, intuitif, un analphabète, mais qui avait trouvé la voie de la supraconscience. C'était un caravanier, un guerrier, lui aussi, hein, comme Bouddha. Hein. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la plupart des patriarches qui ont été divinisés, semi-divinisés, ou qui ont atteint le titre de patriarche ou de prophète, étaient des guerriers. Mohammed, le prophète, c'était un guerrier. Il appartenait à une tribu Al-Quraysh de l'Esqual, ça veut dire les petits requins. C'était des caravaniers, c'était une escorte d'élite qui accompagnait les caravaniers d'oasis en oasis pour faire du commerce, pour aller transporter des épices ou des matières premières ou peu importe. Mais c'était une escorte d'élite. Il appartenait à une clan de guerriers. Comme Bouddha, Siddhartha Gautama Shakyamuni, était un guerrier kshatriya, il appartenait à la cavalerie quatre fractaires, c'était un guerrier d'élite. Tous ces gens qui ont atteint la supraconscience sont passés par des voies martiales. Donc Mohammed, oui, c'était un supraconscient. D'ailleurs, lui a existé. Il y a d'autres patriarches dans les trois cultes abrahamiques qui sont purement fictifs. Donc Moïse fait partie de ceux qui ont existé, c'était Amosis Ier, c'était un pharaon. Alors pourquoi c'est devenu un transfuge chez les Hébreux ? Parce que le peuple ibri, à l'époque, sous la 18e, de la 4e à la 18e dynastie, appartenait au clergé du temple d'Amon, d'Amon-Ra. C'était les Ibris, pour leur faculté de décorporation mystique, on les avait placés dans les temples d'Amon-Ra. Donc c'est pour ça qu'après, la mystique profonde du culte Ra-Osiriac et de la magie Eka a été transférée dans le Sefer Yetzira, dans la Kabbale juive, qui fait le ciment mystique vraiment dans la Kabbale juive, c'est le Sefer Yetzira et le Zohar. Donc pourquoi ? Parce que les Ibris ont appartenu à la caste des Shemsuor, où on fait partie des prêtres ou des scribes du temple d'Amon-Ra. C'est Mahomet, Mohammed. Alors Mahomet, c'est un titre, c'est péjoratif. Mahomet, c'est pas de l'arabe, c'est de l'hébreu. Mahomet, ça veut dire le stupide. C'était Mohammed. Le mot arabe était mal compris par les juifs à l'époque, au 7e siècle, 8e siècle. Ce mot, ils ne le comprenaient pas, Mohammed. Et ça leur faisait penser à Mahomet. Et Mahomet, en hébreu, ça veut dire le débile. C'est très péjoratif. On appelait le prophète Mahomet. D'accord. C'est péjoratif. On l'appelle Mohammed. D'accord. Mais je crois que même on ne doit pas donner le prénom Mohammed à des nouveau-nés. On ne donne pas, je crois, ce prénom-ci. La moitié des nouveau-nés s'appelle Momo dans le Var. C'est ce qui est surprenant, mais j'avais entendu dire qu'effectivement, on ne devait pas, pas les appeler Mohamed. Non. Parce que c'était quelque chose comme nous, on appellerait. Enfin, si, ils s'appellent tous Mohamed. Ah, c'est oui, je sais. Ça, c'est quelqu'un qui l'a dit un jour. Et, peut-être, oui. Au contraire, c'est très valorisant. C'est glorieux. C'est glorieux pour un enfant de s'appeler comme le prophète. Ben justement, je croyais qu'il fallait plus. Ben, le deuxième nom d'un de mes fils, c'est Mohammed. Hein. Mon petit Jaïden, le dernier, qui a 30 mois, il s'appelle Jaïden Mohamed. J'ai fait plaisir parce que sa maman est marocaine et qu'elle a voulu. Et mon grand s'appelle Anthony Mehdi. Moi, j'ai deux Marocains. D'accord. J'ai un Marocain de 30 ans qui va sur 31 ans. Il s'appelle Anthony. Son deuxième prénom, c'est Mehdi. Je l'appelais Mehdi parce que j'étais avec une Marocaine aussi à l'époque et que j'ai voulu lui donner le nom de Mehdi Al-Mahdi, le sauveur. Et Mohammed, en honneur au prophète. D'accord. J'ai mes deux garçons qui s'appellent Mehdi pour Al-Mahdi et Mohammed pour le prophète. Okay. J'ai été marié deux fois, enfin pas marié, j'ai vécu deux fois en concubinage avec des Marocaines et à un moment donné, deux garçons. La musique permet-elle de s'élever spirituellement et est-on musicien dans toutes ses incarnations ? Si tu es musicien dans cette incarnation, tu le seras certainement dans l'incarnation prochaine. Et est-ce que la musique aide à s'élever spirituellement ? Oui. Mais par contre, pas pendant la méditation. Parce que quand on médite, les sons, la musique, génèrent des pensées parasites. On ne peut pas atteindre l'instase mystique avec de la musique dans les oreilles. Alors moi, je le dis,
pour favoriser une séquence supraconsciente, on se met dans une pièce bien aérée, on ouvre les fenêtres, même si c'est l'hiver, on met de l'encens, parce que moi j'aime bien que ça sente bon, on met des boules quies, parce que les boules quies empêchent les bruits parasites. Donc s'il n'y a pas de bruit parasite, il n'y aura pas de pensée parasite, et l'audition génère à environ 70% des pensées parasites. S'il y a une mobilette qui passe dans la rue pendant que vous êtes en train de méditer, le simple fait d'entendre le pot d'échappement va vous faire visualiser la mobilette, le monsieur en train d'accélérer dessus. Ça s'appelle des pensées parasites. Alors que quand on a des boules quies, ben on n'entend pas la mobilette passer, donc on ne génère pas de pensées parasites. Donc la musique, non. Quand on écoute la musique au quotidien, ça fait du bien, mais on n'écoute pas de la musique quand on médite. C'est dur des fois de lire. Y a-t-il un livre sur le culte Rao-Ziriac ? Ah ben ouais, heureusement. Mais le livre ne s'appelle pas le culte Rao-Ziriac. Le culte Rao-Ziriac, c'est une compilation de livres. C'est le livre des pyramides, le livre de la sortie au jour, le livre des morts. Et là, c'est le culte Rao-Ziriac. C'est un recueil, une compilation de livres. En fait, pour connaître bien le culte Rao-Ziriac, c'est une compilation de 6, 7 ou 8 recueils. Moi, j'ai mis longtemps à en venir à bout, hein. C'est dense. Hein. Concernant les magnétiseurs, comment savoir s'ils ont un véritable don ? Les vrais magnétiseurs, ce sont des, par exemple, les sourciers, ceux qui trouvent des sources avec des baguettes. Eux, ce sont des vrais magnétiseurs. Ils ont l'art et la manière avec leur système cérébro-spinal. Ils ont un système limbique qui est pur, propre, dépollué. Eux, ce sont les radiesthésistes, ce sont des magnétiseurs. Alors, il y en a des vrais, quelques-uns. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de charlots aussi. Hein. Peux-tu nous parler de Kamsa ? Kamsa ou Kamsa ? Je ne sais pas qui c'est. Voilà. La Khamsa, tu veux savoir quoi ? La Khamsa, tu veux savoir quoi ? Soyez plus précis dans les questions parce que vous pensez qu'en trois mots, on va tout savoir ce que vous avez dans la tête. Moi, parfois, je lis la question parce que moi, il y a des mots qui m'échappent aussi. Donc, je me dis, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. Khamsa, bon, il a écrit Khamsa. Ouais. Que penses-tu du Khamsa ? Le 5, tu veux savoir quoi sur Khamsa ? Tu veux savoir sur la main de Fatma ? Tu veux savoir qu'est-ce que c'est le Khamsa ? C'est trop. Que penses-tu du Khamsa ? Comment tu veux que je réponde à une question comme ça ? Le Khamsa, c'est la main de Fatma. Mais elle n'est pas canonique. Le Khamsa, la main de Fatma, n'est pas dans le Coran, n'est pas dans les hadiths, elle est nulle part. C'est une tradition qui remonte aux Berbères, qui n'a rien à voir avec la tradition coranique. Ça a été rajouté, c'était un rajout berbère. C'est des cultes pré-islamiques. Le Khamsa, la main de Fatma, remonte à des traditions pré-islamiques, avant l'islam. Alors, il y a quelqu'un qui dit que plus il regarde les vidéos, et plus il lui semble comprendre. Alors, je veux prendre sa question. Plus je regarde les vidéos qu'il me semble comprendre, moins j'arrive à en parler. Est-ce normal ou suis-je neublé ? Neublé ou bené ou... Je vais te le dire, parce que ce qui est en train de t'arriver, c'est un principe qui est décrit chez les Grecs. Nantis et auton. C'est-à-dire, connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux. Et la seule chose que tu peux être sûr, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. Et la seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'on ne sait rien. Donc au plus tu apprends, au moins tu en sais, tu as l'impression de moins savoir. Parce que tu t'aperçois qu'au plus tu apprends, que tu vas remplir des seaux de terre, et au fur et à mesure que tu apprends, tu vas te dire « Mais merde, je suis en face de l'Himalaya. » On ne peut pas arriver à bout du savoir absolu. Donc au plus tu apprends, au plus tu t'aperçois que tu ne sais rien. Alors, Gnantis et Auton. On approche de la fin du live, quand même, tu as ta permission de minuit. Hein. Ouais. Donc, on approche de la fin. Vous avez encore plein de questions et des questions qui n'ont pas alors été... Alors là, si vous avez des questions, on va dire que d'ici 15-20 minutes, moi, il faut que je rentre. Voilà. Je m'occupe de mon papa et de ma maman qui sont très malades. Mon père a une leucémie, il a un cancer de la moelle. Et que quand je pars, comme ça, je m'inquiète au bout d'un moment parce que parfois, dans la nuit, il fait des malaises. Donc voilà la raison. Donc, Je voudrais remercier aussi, j'explique. Merci à toutes les personnes depuis le mois de juin qui m'ont invité de partout. J'ai été invité en Corse, dans des maisons somptueuses avec des villas à vue sur la mer. J'ai été invité dans le Luberon, j'ai été invité au Pays Basque, j'ai été invité en Italie, en Sardaigne.
On m'envoie des photos avec des maisons, des bastides, avec des piscines. On me dit tout frais payé, viens, tu restes tout l'été si tu as envie. Alors vous êtes gentils. J'ai remercié tous les gens qui m'ont invité. Ça me touche. Je peux pas, j'ai dit non, c'est pas que vos propositions que vous me faites, c'est pas que je veux pas. Moi, ça m'aurait fait plaisir. Vous m'avez invité dans des endroits féeriques. Des professionnels, il y avait des professionnels de l'hôtellerie, mais aussi des particuliers qui m'ont invité dans des manoirs un peu partout sur la Côte d'Azur. C'est gentil, je peux pas. J'ai refusé systématiquement parce que je suis soutien de famille. Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes parents. Je peux pas. Je suis pas quelqu'un qui peut partir comme ça pendant 3 semaines pour aller me détendre à Monaco. Malgré les jolis endroits où vous m'avez invité, c'est très gentil de votre part, mais je peux pas. Donc, mais quand même, je tenais à vous remercier. Tous ceux qui m'ont invité se reconnaîtront. On m'a invité à Biarritz aussi. Le gars, il m'a invité à une maison. Le mec, bon, enfin, il se reconnaîtra. Mais c'est gentil. C'est gentil. Il y a des professionnels de l'hôtellerie. On m'a invité dans les 5 étoiles. Je vous remercie. Déjà, mon humble personne, vous allez être déçus si un jour vous me rencontrez. Parce que je ne sais pas à qui vous croyez avoir affaire, mais... Vous allez être déçus parce que je suis un peu triste au quotidien. Je ne suis pas quelqu'un, je suis un peu spécial de caractère. Mais je tenais quand même à vous remercier. Vous êtes très gentil, vous avez la main sur le cœur. Alors, d'où viennent les 49 jours que tu énonces pour la réincarnation? Et que fait-on pendant ces 49 jours? Il y a la question qui se... Les 49 jours, c'est les 50 jours de latence. C'est-à-dire, quand tu meurs, ton champ aurique, ton Tianlong, ton véhicule céleste, va se ressourcer dans l'antéversus. Il va se recharger de Yuan Qi, il va se recharger de Prana. Et ensuite, alors pourquoi 49 jours? Parce que 7 fois 7, pourquoi ça a été donné chez les bouddhistes, les hindouistes, les kabbalistes juifs? Ben ça, il faut le demander à des gens qui sont plus performants que moi, des vieux patriarches comme Bouddha ou comme Lao Tse, parce que là, moi, j'en sais rien. Et quand je sais pas, je dis je sais pas. Je sais pas pourquoi ça dure 49 jours. C'est 7 fois 7 dans toutes les voies haute intensité spirituelle, dans le soufisme, dans la kabbale, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. D'ailleurs, tiens, je salue Pierre, mon ami Pierrot, qui vit en Corée, représentant un cigare. Je te remercie aussi pour les cigares que tu m'as offert récemment. Je te remercie aussi pour les donations que tu as fait, on a acheté du matériel. C'était un être fantastique, Pierre. Je te salue. Ton petit chat que tu as récupéré, là, il est magnifique. Alors, on parle souvent aussi, c'est un kabbaliste qui connaît très très bien. On parle des 49 jours, il m'a posé la question, pourquoi? Ben, je sais pas. Faut pas m'accorder plus de pouvoir ou plus de facultés que ce que j'ai. Avec mon niveau, à mon niveau, je peux pas te dire pourquoi toutes les doctrines à haute intensité spirituelle se sont aperçues que le véhicule céleste reste 49 jours. Ah tiens. De toute façon, on arrive à la fin parce que les questions sont finies. Ouais. Là, c'est les piles, mais de toute façon, on arrive à la fin, donc il va continuer avec le micro d'Alexandra. Les questions sont terminées. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu de réponse, c'est tout simplement parce que le sujet a été abordé durant le live. Pour d'autres, c'est tout simplement parce qu'il va falloir vous référer aux vidéos et aux autres lives, parce que ce sont des sujets qui ont déjà été évoqués. Donc, si on prend le temps de l'évoquer à chaque live, finalement, tous les lives passent et se ressemblent. Donc, c'est dommage. En tout cas, on vous remercie. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent un bon rétablissement à tes parents, et enfin, ah, bon rétablissement, mais voilà, vieux, qui te soutiennent. Ils sont vieux, c'est-à-dire quand on arrive à 82, 83 ans, qu'on a des maladies graves. Hein. Mon père, il a un cancer de la moelle, donc ça ira pas sans rangeant, mais on fait tout ce qu'on peut. Moi, je fais tout ce que je peux pour que ça se passe bien, le temps qu'il lui reste à vivre, pour qu'il se passe bien, qu'il ait pas de qu'il rencontre pas de difficultés. Donc ça s'appelle ça, être soutien de famille. Donc voilà, on vous remercie tous pour votre présence. Vous avez été plus de presque 400 personnes présentes sur ce live. Donc franchement, c'était topissime. N'oubliez pas les pouces bleus parce que ça nous permet d'avoir la visibilité. N'oubliez pas, pour ceux qui ne le sont pas encore, de vous abonner à la chaîne Société Supraconsciente et de mettre
et de mettre les pouces bleus aussi. Quoi ? Je ne sais pas ce qu'il me dit. Non, je disais que j'ai ouvert une autre chaîne où je donne des cours de chant. Ah si oui, vous, voilà. Vous oui. pouvez aller vous abonner, ça m'arrangerait. Effectivement, ça oui. Si les mêmes personnes peuvent s'abonner pour les cours de chant et en parler autour de vous, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle, rappelle-moi. ATC. Voilà. Voilà. C'est ATC. La chaîne ATC. Approche technique du chant. Voilà. Donc, voilà, ça fera boule de neige. En tout cas, merci Jean-Paul encore une fois de ta présence. Merci Clément pour la technique. Je vous en prie. Merci pour ceux qui m'ont complimenté pour l'émission sur TF1. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Faites de beaux rêves. Ne pensez pas trop. Vacuité cérébrale. Et puis tout ira bien. Voilà. Et que le positif soit avec vous et avec voilà, votre esprit. Et votre esprit. Amen. Alléluia. Allez, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao, les amis.